Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Oh oui. Pourquoi, ma chérie? Bafoué. Oui. Oui, ma chérie, c'est pas question d'amitié, c'est pas question d'amitié, c'est pas question de la Starmania, c'est pas question des partages, tu comprends? Oui, mais je vais t'expliquer parce que là j'ai lancé un direct. Je suis oh, d'accord, on va s'appeler plus tard, merci. Partagez. Bonjour à tout le monde, ceux qui sont cardiaques, la porte est par là-bas. Ceux qui veulent écouter, ceux qui sont les Nancy Gang, asseyez-vous, vous écoutez. Moi, je suis que quand on me provoque et je sors, je provoque. Moi, je n'ai pas. Je veux fêter l'anniversaire avec la copine. La copine qui a dit que je n'ai pas honte de venir pleurer sur les réseaux sociaux sans connaître le problème. Sans connaître le problème. C'est pas question d'amitié. C'est pas question de la Starmania. C'est question que je suis une femme qu'on ne doit pas bafouer. Je suis une femme qu'on ne doit pas commander. Ah oui. Que quelqu'un arrive sur mon direct et me dit, oh, et coupe le direct, je coupe. Éteins, j'éteins. Fais ceci, je fais. Comme vous dites que c'est un problème de compréhension. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas elle. Je veux dire à ma copine, là, la copine de quelqu'un, que je veux rafraîchir la mémoire. Excusez-moi, je suis comme ça. C'est mon cadeau d'anniversaire. Comme vous avez refusé de me donner le cadeau d'anniversaire, moi-même, là, je me donne moi-même le cadeau d'anniversaire. Je fête mon anniversaire avec elle. Alors, ceux et celles qui sont cardiaques, je veux voir 50 personnes, hein, 50 personnes connectées. Après, là, oh, je vais lancer les hostilités. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, là, on ne me dit pas que tu as honte. Honte de quoi? De quoi? Hey! Partagez la vidéo, mes chers compatriotes. Quand vous voyez là, partagez la vidéo. Trop parler, c'est maladie. Joyeux anniversaire, Nancy. Joyeux anniversaire, Nancy. Joyeux anniversaire, Nancy. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nancy. Happy birthday to you. Ah oui, quand il faut parler doucement, quand il faut parler doucement, mes chers compatriotes, je sais parler doucement. Je veux répondre à une Française qui est comme moi. Ceux qui ne sont pas Françaises là, retirez-vous. Il faut vous retirer. Parce que là, ça veut jaser. Je veux rafraîchir. Le direct ne serait pas long, hein. Donc, je veux 50 personnes. Je ne demande pas plus
ni moins. Je veux 50 personnes. Les vraies personnes. Les vraies. Parce que quand on ne connaît pas un problème sur les réseaux sociaux, il faut demander. Et quand un problème ne te concerne pas, ne parle pas. Vous comprenez, non? Parce que dans ma vidéo, j'avais dit que le problème ne concernait pas les stars. J'avais bien précisé. J'étais bien. Là, je n'avais pas de problème de compréhension. J'avais bien précisé. Et tout le monde qui me met mes mains à gauche, à droite, comme vous ne connaissez pas le filtre, après, je vais vous poster. Mais mon vrai corps, mes pieds, mes mains, tout ce que vous voulez. Si vous voyez, je vous mets même un peu tout. Mais aujourd'hui, là, je vais répondre à quelqu'un. Et vous-même, vous allez juger par vous-même. Vous allez juger par vous-même. Donc, nous sommes à 22 personnes. À biper, taguer tout le monde. Je veux 50 personnes sur le compteur. Si je ne vois pas 50 personnes là, j'ai éteint mon téléphone, je m'en vais travailler. Je suis en train de préparer mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est aujourd'hui. 50 ans, mais c'est samedi que j'allume, que je coupe mon gâteau. Pour ça là, on commence les hostilités. Donc, ceux qui ont les palpitations de cœur là, on va faire le game. On a dit que c'est le game de Facebook. On va faire le game. On va commencer à danser le cha-cha bénéqué. Oui, oui, oui. C'est qui est sûr, c'est ça. Partagez, appelez tout le monde. Oui. Appelez tout le monde. C'est qui est sûr, c'est ça. Oui. Appelez tout le monde. Hein? Maman? Oh, par là. Aïe, Gondele. 50 ans, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis pas partie. Terriblement mariée. Bien mariée même. Assis sur son foyer. Mon mari m'assume aujourd'hui, demain, après-demain. Je dis, ce n'est pas que je porte mes valises pour aller à gauche, à droite. Hé, Adama. Je dis, ce n'est pas que je porte mes valises pour aller à gauche, à droite. C'est que je suis terriblement mariée, assise bien avec l'alliance même qui brille dans mon doigt. Les doigts brûlés, brûlés que vous dites là. Maman, il y a un homme qui kiffe ça grave. Maman, ce que vous cherchez, Nancy a eu. Petit enfant, je suis assise. Enfant là, je m'assois. Mariage là, je suis assise. À femme business là, je suis proprement assise. Donc partagez-moi. Partagez la vidéo. 22 personnes, rajoutez. Rajoutez et saturez le direct avec le cœur. Oui, oui, oui. C'est qui est sûr, c'est ça. On dit que Nancy est laide. Que telle personne dépasse Nancy. Je ne gère pas les nyama nyama. Je ne gère pas les machins là. Je ne me fais pas la comparaison avec X ou Y. Non. Parce que si quelqu'un veut faire la comparaison avec moi là, la personne prend son passeport Bordeaux, met sur la poitrine et vient me parler. Comme ça, je veux danser. Maintenant, moi, je réponds à celle qui pose le passeport sur la poitrine. Oui, arrêtez-moi vos fuma-fuma. Arrêtez-moi quand vous ne connaissez pas un problème. Il faut fermer. Donc, les gens qui ont les crises cardiaques, pardon, laissez, pardonnez. Là, je parle posément. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Vous savez que je suis handicapé de la gorge. Donc, excusez-moi. Si ma gorge est un peu jaja, façon là. Nous sommes à 32 personnes. Partagez, montez le mercure et saturez le direct avec les cœurs. Avec les cœurs, avec les étoiles, mettez tout. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui, là, mettez tout. Mettez tout. On finit avec. Aujourd'hui, là, parce que quand vous ne connaissez pas un problème, taguez-moi, il s'appelle qui encore? Il s'appelle qui? Non, 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 non. Taguez-moi. Cameroun, Afrique, Japon. Taguez-moi Cameroun, Afrique, Japon. Merci ma chérie de partager ma puce. Partagez et taguez-moi Cameroun, Afrique, Japon. Parce que depuis que tu es sur les réseaux sociaux, je ne t'ai jamais prononcé. Je ne t'ai jamais machin. Tu ne me connais pas. Mais toi, tu viens témoigner que ce sont mes mains là. Tu viens témoigner. Il y a un filtre que moi-même j'ai créé. Le filtre de moi, c'est de ça qui est ça. Et de ça qui serait ça. Voilà. Partagez la vidéo. On est à 41 personnes. Montez le mercure. Je lance les hostilités, je passe.
Nicole, pardon. Excuse-moi, je ne clash personne ici. Ne me prête pas les mots. Prête-moi l'argent. Tu vois, non? Ne me prête pas les mots. Vous suivez les gens. Tu crois que je ne l'aime pas? Est-ce que tu crois que moi, Nancy, je ne l'aime pas? Donc, quand elle parlait là-bas, là, tu étais où pour dire que, hey, ma soeur, pardon, ce n'est pas le vrai problème. Moi, je vous ai expliqué que ce n'est pas l'affaire de la Stamania. Ce n'est pas l'affaire des partages. C'est l'affaire qu'on m'a donné. Quand tu fais les vidéos, qui te dit de couper tes vidéos? On t'a dit, on te dit que coupe tes vidéos, tu coupes. On te dit, supprime, tu supprimes. Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas comme ça. C'est mon problème que je ne veux plus qu'on me commande sur les réseaux sociaux. Je sors et je fais ma vidéo et que quelqu'un ne vient pas me dire que coupe. J'ai trop supporté, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Donc, ne me viens pas me dire que Tata Nancy ne clash pas tel. Elle a, quand elle a parlé, je fais seulement la réponse. Après, je m'arrête là. Je donne ma réponse. Après, je m'arrête là. Pour faire comprendre que quand vous ne comprenez pas quelqu'un, venez à inbox, on vous explique. Mon numéro est sur ma page. Moi, je me cache pas. Mon numéro est sur ma page. Mon numéro est sur ma page. Et c'est mes deux pages-là, vous m'appelez à n'importe quelle heure, je réponds. Tout le monde qui m'a appelé, j'ai répondu. Je ne suis pas mal élevé. Je suis très bien élevé. Et j'ai le sens de comprendre. Je ne raccroche pas les gens au nez. Je décroche, je te laisse me parler. Quand tu as fini, je dis merci, j'ai compris. Si je peux te donner une explication, je te donne. Si je ne peux pas, je te dis merci, j'ai compris. Donc ne me viens pas me dire que, on a dit que tu me dépasses. Elle a dit, tu ne lui as pas dit que non. Je ne dépasse pas Tata Nancy. Quand vous êtes comme ça là, j'aime pas. Apprenez à dire la vérité. Ce n'est pas parce que je veux rafraîchir la mémoire que je la déteste. Je ne la déteste pas. Je veux seulement la faire comprendre que donner à César ce qui appartient à César. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu fermes ta bouche, tu parles dessus. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ne chauffe pas. Donc ne viens pas me donner les leçons de vie. Moi là, j'ai mes enfants que je donne les leçons. Moi, je donne les leçons. Moi là, ce n'est pas X. Je ne clash personne. Oh. I don't clash you. I don't clash personne. Ma fille m'appelle. Maman, ce n'est pas le moment, ma chérie. Coucou mon bébé chéri. Je peux te rappeler, mon cœur. S'il te plaît, ta maman est en direct. S'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, je t'aime. Bisous, je te rappelle. C'est mon anniversaire aujourd'hui, hein. Je te rappelle, mon bébé. Voilà. Tu vois, ma fille a compris que ma maman, là, quand elle force le front, là, deux fois, ce n'est pas bon. Donc, je préfère la laisser. Donc, partagez. Nous sommes à, il manque 7 personnes. J'ai lancé les hostilités. Partagez la vidéo. Partagez. Les gens, vous moquez de moi. Vous asseyez, vous moquez de moi. On donne les éloges à tout le monde. On fait ceci. Moi, je ne veux pas que vous me donnez les éloges. Ça me laisse à 37. Mon mari me dit tous les jours que Nancy, ma fille me donne les éloges tous les jours. Oh, maman, tu es une belle maman. Si Dieu ne t'avait pas créé, moi-même, j'allais te créer. Mes enfants me donnent les éloges. Je n'ai pas besoin de vos éloges. Je n'ai pas besoin que je n'ai pas besoin, hein, que on me dit que tu as une famille, non? Tu as une famille, non? Tu viens pleurer. Hey, ma soeur, tu n'avais pas de famille. Il manque une personne. À 50 ans, j'ai lancé les hostilités. Partagez. Voilà. Voilà. Tant que ça descend, hein, je ne lance pas. J'ai dit, je veux voir 50 personnes sur le compteur. Et ça ne chauffe pas. Je veux voir 50 personnes sur le compteur. Le tout, regardez comment je suis joyeuse. Oh, Adama. Je suis contente jusqu'à. Maman Sarah, je suis contente. Hey, maman, tu as peur. Tu sors pour faire la vidéo sur Nancy. Tu sors pour faire la vidéo sur Nancy. Nancy qui t'a aimé. T'as Nancy qui t'a défendu ici jusqu'à... Tu sors pour faire la vidéo sur moi. Eh, vraiment de Dieu.
Et tu me dénigres dans ta vidéo pour dire que tu pleures. Si on ne partage pas tes vidéos, si on ne fait pas ceci, c'est machin, tu n'as pas de famille. Maman, moi, je n'ai pas coupé mon âge, comment on appelle ça, Okumba. 50 ans sans passer dans le billard. J'ai dit, taguez-moi. Elle s'appelle qui là? Il s'appelle qui? Cameroun, Afrique, Japon, qui vient couper. Oui. Comme vous aimez, vous connaissez pas les gens et vous aimez dire que ces gens-là sont comme ça. Cherchez à les connaître. J'ai dit tout le monde qui a mis mes mains sur le mur. Je pars pas à pas. Tout le monde y est passé. Tout le monde veut y passer. Cherchez à me connaître. Je réponds à tout le monde qui ne m'a pas vu. Et ceux qui m'ont vu, et ça ne chauffe pas. Dieu m'a béni aujourd'hui. Hey, 50 balais, maman Sarah. La beauté sans passer dans le billard. Et les gens qui partent écrivent que, oh, c'est tes mains, parce que tu fais comment on appelle ça? C'est parce que je protège l'anonymat de quelqu'un. Les mains là, ça s'est brûlé parce que j'avais acheté la crème de quelqu'un. J'ai mis sur mes mains la lotion. J'ai mis sur mes mains. Jusqu'à ma tombe, je ne pourrais dévoiler les mains. Je vous laisse seulement. Je vous laisse m'insulter. Je vous laisse. Hein? On va lancer les hostilités. Comme vous croyez que vous êtes plus sage que les gens là. Vous croyez que vous êtes... Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein? Moi, quand je veux sortir, je sors. Je sors quand je veux. Et je sors quand ça me... Je sors quand je veux. Personne ne m'oblige. Personne ne me force. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Personne ne doit me dire... Oui. Personne ne doit me dire quoi ce soit. Chut. Attendez. Personne ne doit me dire que Nancy... Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as machin, tu as... Non, hey, on est où là? Les gens qui viennent dire, il faut Nancy, il faut laisser. Nancy, hein, il faut laisser. Mais quand on me provoque, vous ne dites pas que Nancy, il faut laisser. Voilà. On va faire ça, propre. Et ça ne chauffe pas. C'est ça que ça. Partagez la vidéo. Je vous dis merci de partage parce que lancez l'hostilité. Allez. C'est quoi ça? Ah non. Tu vas arrêter ça. Tu commences à pleurer en pleine chose à tes yeux rougissent. C'est quoi ça? T'as pas honte? Nous, ça, tu fais, tu rigoles. Tout ça, là, c'est pour faire. C'est la pime. Elle va aller au salon. Demain. La famille. C'est demain. Attends. Bon, alors. Je vais pas enlever. Je vais m'asseoir là-bas.
toi qui viens dire que où c'est Bernard, j'ai dit, hein, vous êtes comment même? Hein? Bernard, je prononce ton nom. Vous êtes comment? Quand elle parlait de moi là-bas, pourquoi vous n'êtes pas parti dire que non? Tu n'as pas compris le plan de Nancy. Mais ça, vous tous, vous avez accepté. Vous avez dit que, oh, Nancy cherche la Starmania. Oh, Nancy pleure parce qu'on ne partage pas ses vidéos. Oh, Nancy pleure parce que on ne... Alors que ça n'a rien à y voir. Alors que j'avais un problème avec quelqu'un, avec ma soeur. Que je disais que ma soeur vient me donner les ordres sur ma page. Que je fais un direct, coupe le direct. Je respecte, je coupe. Elle vient dire... supprime le direct, je respecte, je supprime. Elle vient dire, fais ceci, je respecte. Mais quand elle a fait la vidéo, au lieu de lui dire, de lui dire que non, ce n'est pas la vraie façon, il n'y avait que Lisette Akono qui était en train de crier en bas que non, laissez ça, ça, ça il s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Laissez Nancy, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas l'affaire des étoiles, ce n'est pas l'affaire de machin, ce n'est pas l'affaire de partager les vidéos. Nancy, ça fait 4 fois que sa sœur la commande à Mondiovision. Mais personne n'a pris mon parti. Vous m'avez lapidé. Vous m'avez saigné. J'ai dit, hé Seigneur, donc sur Facebook là, je n'ai personne. Que Lisa Akono, que Carole. Certaines personnes, que ma petite copine, vous avez laissé qu'elle me traite de tous les noms. Jusqu'à prendre une petite fille, à dire que cette petite fille me dépasse. Alors que si elle avait un problème dans sa team, je ne crois pas que sa copine allait aller parler de ce problème. Mais vous avez laissé qu'elle me massacre. Vous avez laissé qu'elle me déchire. Personne m'a défendu. Personne n'a dit que non, ce n'est pas le problème. Que Nancy demande seulement qu'on la donne le respect, qu'on respecte ses vidéos. C'était simple comme bonjour. C'était un truc de... On a dit que non, c'est la milliardaire. On a dit que non, Nancy dit qu'on ne partage pas ses vidéos. On a dit que Nancy cherche la Stamaya alors que ça n'avait rien à y voir. Ça n'avait rien à y voir. Quand toi, Bernard, tu fais tes vidéos, est-ce que quelqu'un vient te dire de couper, de supprimer tes vidéos? Pourquoi vous voulez laisser qu'une femme comme moi, une digne femme, comment dire, une digne femme écran, une digne femme basse femme comme moi, à dès qu'elle a la cinquantaine aujourd'hui, que Dieu a béni, qu'une petite fille vient me commander? Mais vous ne vous demandez pas que Nancy n'a pas l'habitude de sortir. Ça, c'est parce que ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Vous m'avez dit que c'est question de compréhension. Nancy a un problème. Elle ne comprend pas. On a donné les éloges à ma sœur partout. On l'a protégée. Mais qui me protège, moi? Personne. Et même, je n'ai même pas besoin de vos protections. Moi-même, je me protège moi-même. Je me protège moi-même. J'ai pas besoin de que vos protections. C'est que je veux. Qu'on me respecte. C'est tout. Que quand je fais ma vidéo, quand je sors pour donner mon point de vue, qu'on ne me demande pas de couper la vidéo, qu'on ne me demande pas de supprimer la vidéo, qu'on ne me dit pas que, oh toi là, quand moi, je ne sais même pas comment tu es, quand je te demande que à chaque fois que tu veux faire la vidéo, il faut que tu m'appelles. Il faut que tu m'appelles pour avant de faire ta vidéo. Eh, mes gens. Donc, à chaque fois que vous faites des vidéos, il faudra que vous appelez quelqu'un. Vous appelez quelqu'un pour que cette personne vous donne l'aval. Vous n'avez pas vu. Oui. Ah, je t'écoute. Oui. Je sais ma soeur, je sais que j'écris. Pardon, c'est que je suis contente aujourd'hui. Je sais, je suis contente. Je te rappelle mon bébé, ma soeur chérie. Je te rappelle. Donc, Hélène qui écrit, Nancy, tu es quoi? Écrivez bien, on dit que je veux pas comprendre mal.
je ne veux pas comprendre mal. Écoutez-moi bien. Écoutez, aujourd'hui, là, je veux prendre le temps de vous expliquer. Je ne veux pas, mon direct là ne veut pas rester longtemps. Je veux pas, je ne râle pas aujourd'hui. Ce n'est pas que je veux seulement réfléchir à la copine que elle oublie vite. Moi, Nancy, je suis sortie quand elle demande, quand elle pleurait. J'ai compati. J'ai fait des vidéos. Mais, ne m'appelez pas, laissez-moi faire ma vidéo. Oui, allô? Allô? Bon, je vais te bloquer et puis on en finisse. Je vais te bloquer et puis on n'en parle plus. Donc, quand elle fait, quand on conseille quelqu'un, excusez-moi, hein, quand on conseille quelqu'un, on ne dit pas à quelqu'un que tu n'as pas honte. Alors que le problème, ce n'était pas contre sa copine. Elle dit que j'ai du mal à prononcer le nom de compresseur. Je suis désolée. Je n'ai pas de problème avec compresseur. Je n'ai pas de problème avec elle. Je viens seulement éclaircir quelque chose que nous tous, on a déjà fait quand nous sommes en détresse. Donc, il ne faut pas, quand on conseille quelqu'un, on ne dit pas à la personne que tu n'as pas honte de venir pleurer. On dirait que on dirait que tu as machin. On dirait que tu n'as pas une famille. Tu as les enfants. C'est pas ça. Quand on dit Nancy, je t'ai vu pleurer, ça m'a fait mal. Nancy, s'il te plaît, ne pleure pas. Et s'il te plaît, je ne sais pas le problème, mais quel qu'en soit le problème que tu as eu, s'il te plaît, ma sœur, laisse tomber. Va arranger avec ta sœur. Voilà les conseils qu'on donne à quelqu'un. Je n'ai pas dit que Nancy arrête, elle ne m'est pas insultée. Mais le fait de dire que Nancy, tu n'as pas honte. Nancy, elle me compare à d'autres personnes. Mais ma chérie, c'est vous qui étiez à l'école. Est-ce que vous ne comprenez pas? Quand on dit que, quand tu conseilles quelqu'un, il faut, il y a les conseils. Mais ça, c'était pas conseil. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi elle n'a pas prononcé le nom de ma sœur là-dedans? Pour dire que même si, alors que elle n'a même pas prononcé le nom de ma sœur, elle a parlé le nom de ma patronne de compresseur, je vais prononcer, de compresseur, alors que ça n'avait rien à y voir avec compresseur, rien à y voir avec elle. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas quand je parle. Aujourd'hui, je vais essayer de parler posément pour que tout le monde comprenne mon désarroi, mon problème. C'est pas question de la Starmania, c'est pas question qu'on ne partage pas mes vidéos. C'est question qu'une petite fille vient me dire, ma soeur vient me dire que, oh, coupe la vidéo. Hein? Va me dicter, coupe la vidéo. Pourquoi tu fais la vidéo alors que j'avais déjà fait la vidéo? Pourquoi tu décrypes? Je la défends même. Elle vient me dire de supprimer. Ça fait 4 vidéos que j'ai supprimées. Qu'elle m'a dit, supprime. Et que par le respect que j'ai avec la team de compresseur, que j'ai supprimé, envers ma soeur même, que j'ai supprimé. Mais venir sur mon mur, dire aux gens que, mettre les gens au défi, c'est la goutte d'eau qui avait débordé. C'est la goutte d'eau qui avait rempli ma gorge là. Et ce problème là, j'avais essayé d'arranger ça en inbox. Elle veut toujours montrer qu'elle me dit. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas elle que je parle. Ce n'est pas d'elle que je parle. Je parle de celle qui a voulu m'humilier. Je ne laisse personne me piétiner. Je suis électron libre. Et je suis sympathisant. Je dis à haute voix, intelligible voix. Je suis sympathisant. Et je ne laisse personne me piétiner. Parce que vous m'avez manqué de respect. Donc ne dites pas le contraire. Moi, je ne suis pas, ce n'est pas parce que je parle d'elle aujourd'hui que je ne l'aime pas. Moi, on dit souvent chez nous, on me dit que quand tu aimes quelqu'un, mieux vaut dire à la personne ton ressenti que d'aller parler derrière, que d'aller vous mettre derrière en train de, comment on appelle ça, en train de parler. Jamais je ne voudrais aller chez une grosse.
Bonjour Mélissa. Bonjour ma princesse chérie. Bonjour. Et pour que ça soit, que ça entre dans vos ciboules là, ça veut dire que vous ne me connaissez même pas. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, comme elle a dit dans sa vidéo, que si tu veux partir, prends ta route. Je ne pourrai jamais aller chez les ténébreux. Jamais, vous n'avez jamais vu. Et quand elle dit que j'ai donné, j'ai apprécié ce qu'il a, la fille du Cameroun, que je l'ai assumé en public. C'est Amer Kamer qui a assumé, qui a dit à une dame que il faut donner le respect aux gens. Si vous voulez que les gens vous respectent, il faut donner. C'est Amer Kamer qui a dit. Moi, je n'ai même pas prononcé cette fille dans ma bouche, ni son nom. Donc, tout ça, c'est les mensonges plus mensongères. Et c'est ça qui me met hors de moi. Parce que quand on ment sur mon nom, je deviens hystérique. Et quand on dit hystérique là, et je viens faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui là. Parce que les gens m'envoient les messages. Oh Nancy, tu as un problème de compréhension. Oh Nancy, tu as un problème de ceci. Et je suis venu pour vous éclaircir que le jour que vous allez me voir chez les ténébreux, s'il vous plaît, dites-moi que Nancy, on t'a vu. Je n'ai jamais partagé vos vidéos. Je me suis même jamais mêlé. Moi, je ne suis pas. Je sors quand je vois qu'il y a urgence. Quand il y a un maladroit, que les gens viennent insulter quelqu'un alors que c'est pas vrai. Je ne sors pas, je ne m'accroche pas sur une personne pour lapider la personne, lapider, insulter. Non! J'ai dit non. J'ai dit non. Vous aimez les gens parce que vous aimez les gens parce que les gens insultent. Mais moi, quand je sors, c'est pour donner mon point de vue et personne me force. Comme contrairement, elle a dit que on ne te force pas. On ne force pas quoi encore là? On ne force pas, on ne t'empêche pas d'aller chez les ténébreuses et qu'on ne te force, on ne force pas de partager, de nous suivre. Ma chère, quand j'ai décidé de vous aimer tous les deux, d'aimer d'abord la mère des orphelins, la chancelière des chancelières, c'était une place sans intérêt. Et personne m'a envoyé. Et je reste une place. Je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Je reste une place et ça ne chauffe pas. Mais quand tu me dis que si je veux partir, ça veut dire que tu ne connais même pas le personnage que tu m'as vu à Brest. Tu m'as vu à Brest, non? Mais tu ne me connais pas. Je suis une femme respectueuse et fidèle. En amour et en amitié. Et c'est toi qui étais venu. Si c'est toi, tu ne m'estimais pas. Pourquoi tu t'es levé? Pour venir m'embrasser. Pour venir me faire bisous. Pour venir me dire bonjour. Entre toi et moi qui est star. Ma chérie. Moi là. Donc vous qui venez écrire. Je vous ai dit que les gens qui ont les crises cardiaques là. Il faut partir loin. Hein? Il faut partir loin. Je viens rafraîchir la mémoire. Point bas. Donc. Moi. Vous allez me dire. Vous jugez. Attendez. C'est quoi là? Oui, doit le whisky là-bas.
Donc, contrairement à toi, moi, je n'ai pas demandé le whisky. J'ai pleuré parce que j'avais confiance à quelqu'un. J'ai pleuré parce que quand tu trouves quelqu'un, quand tu te dis que ça, c'est mon sang, et que tu poses, comment on appelle ça, et que tu poses ta confiance sur cette personne, ça fait mal. Pourquoi toi, tu pleurais? Hein? Si c'est, pourquoi tu es venu pleurer sur les réseaux sociaux? Si vraiment je n'avais pas honte de venir pleurer jusqu'à que mes mains, mes yeux ont rougi. Pourquoi toi tu as pleuré, maman? Ma soeur, ma petite soeur. Pourquoi toi tu as pleuré? Hein? Voilà. Donc, quand moi je viens pleurer parce que j'ai posé ma confiance en quelqu'un et que quelqu'un, cette personne me dicte ce que je dois faire, une vieille femme comme moi. Et vous venez tous me critiquer. Vous venez tous me manquer de respect. Et Afrique, comment dit Cameroun, Afrique, Japon, qui dit que Nancy doit bouffer le Djangui. Quel Djangui qu'il doit bouffer? Vous m'avez bien regardé. J'ai dit que one by one, j'ai quitté sur elle. Ça, c'est la première, la dernière vidéo. Je voulais seulement la rafraîchir, la mémoire. Et ça ne chauffe pas. C'est pour vous dire que sur les réseaux sociaux, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Ah oui. C'est fini ici. Si vous bipez, allez les bipez qui viennent aussi me dire, Nessa, ils étaient dans la vidéo de compression. Arrête de abîmer, okay, de revenir sur ça. Pascaline, excusez mes oreilles. J'ai bien précisé que les gens qui ont la crise cardiaque, qui passent, quand elle est parlée là-bas, je n'ai pas vu, j'étais en bas de sa vidéo. Je voyais tous vos commentaires. Je voyais tous vos commentaires. Personne n'a dit que, oh Nancy, il ne faut pas, comment on appelle ça? Il ne faut pas, ne parlez pas comme ça. Il faut attendre, il faut écouter tous les deux. Personne n'a jamais dit. Et quand on a fait la vidéo sur compresseur, il n'y avait que, comment on appelle ça? Il y a Père de Luxe et il y a Lisette Akono. Et puis Carole qui était en train d'écrire que non, vous n'avez rien compris. Nancy ne demande pas la Stamania. Nancy demande seulement qu'on doit la respecter. Vous venez pleurer. Mmh. Toi, laisse tomber la mère. Toi qui, Mireille, j'ai dit, vous êtes venu. J'ai dit pourquoi quand les gens ont leur cible sur les réseaux sociaux là, vous ne les dites pas que non, c'est bon, arrête. Pourquoi quand c'est Nancy, vous venez me dire que la mère arrête? Hein? Pourquoi quand c'est moi, vous venez dire que quand ça a commencé, je vous ai dit que étudiez-moi. Nancy ne sort jamais. Quand c'est la première fois. Nancy ne sort jamais quand c'est la première fois. Nancy sort quand on la piétine, quand on la lave, quand on a de la minimiser. Allez appeler vos patrons là. Voilà, j'ai lancé le direct. Qui viennent me souhaiter joyeux anniversaire sur mon direct. Vous voulez que j'arrête? Allez les appeler. Allez les appeler que allez calmer Nancy. Comme ça là, je veux arrêter. Vous voulez que le même respect qu'on a donné à ma soeur, allez les appeler, qui viennent entrer dans mon direct. Allez les appeler. L'autre dit que Nancy continue avec ton cinéma. Et alors, quand les autres continuent avec leur cinéma, vous les faites quoi? Vous les faites quoi? Donc, ça veut dire que vous appréciez la manière, moi je ne suis pas moutonnière. Donc vous appréciez la manière qu'on a dit que Nancy, tu viens pleurer pourquoi? Hein? Tu as une famille, non? Hein? Tu viens que je suis en conquête d'amour. Adama, une femme mariée.
Une femme mariée comme moi, je suis en conquête d'amour. Vous êtes tombé du ciel. Vous êtes tombé de la tête. Hein? Ça veut dire que vous êtes super, super, très, très hypocrite. Mais là-bas, là, vous n'avez pas dit que non. Lisette Akono a dit, alors que c'est aussi un faux profil. Elle a dit que Nancy, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas. Le problème, c'est qu'on dit que ce que tu ne veux pas que, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à quelqu'un. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne viens pas faire ça à quelqu'un. Parce que, quand tu es la personne de riposte, il faut avaler la pilule. Que Nancy, et voilà, vous supportez d'avaler. Donc, si vous voulez que j'arrête mon cinéma, allez appeler. Vous voyez, ils étaient dans le direct de compresseur en train de me massacrer là-bas. Allez les appeler, dites que venez entrer dans le direct de Nancy. Que vous écoutez Nancy. Si vous êtes les femmes, si vous les aimez, hein, c'était pas comme ça. C'était un conseil. Adama, c'est comme ça qu'on donne les conseils à quelqu'un, Adama. Hein? Moi aussi, je donne les conseils, non? Maman, supportez de m'écouter. Je donne les conseils que quand je ne suis pas sur dans sa team, je suis sympathisant d'une autre team. Elle n'a pas le droit de venir me donner les conseils. Et puis, je suis sa grande sœur. Je suis la grande sœur de tout ce monde-là. J'assume. Je suis la grande sœur de tout ce monde. Donc, allez les appeler pour qu'ils entrent dans mon direct. Ouais. Allez les appeler. Voilà mon anniversaire, non? S'ils m'aiment vraiment, si c'est que ils m'aiment, qu'ils m'ont aimé un seul jour, les deux leaders-là, hein? S'ils m'ont aimé, allez les appeler qu'ils viennent entrer dans mon direct. Comme ça, je vais tout effacer. Comme ça, l'affaire serait close. Tout de suite, c'est mon anniversaire, c'est l'occasion que les leaders viennent me souhaiter le joyeux anniversaire. Hein? Nancy Beauté Beauty, tu veux quoi au final? On t'a demandé d'arrêter, tu ne veux pas. Hein? Je veux, laisse-moi te dire ce que je veux, ma chérie. Hélène, tu as le même, Hélène Trésor, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire ce que je veux. Je veux qu'on me respecte. C'est tout. Je veux que quand je fais un direct, qu'on ne me dicte pas ce que je dois dire dans mon direct. C'est si compliqué à comprendre. Hein? Dites-moi, c'est si compliqué à comprendre qu'une petite sœur, peut-être qu'elle a l'âge de ma petite sœur, elle vient me commander, elle vient me dire, supprime le direct. Pourquoi tu fais ce direct-là? Pourquoi tu as fait ci? Et la copine, la copine vient me traiter jusqu'à qu'elle me compare à une autre petite fille. Oh! Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est moi qui ai le manque d'incompréhension. Et franchement, vous êtes les hypocrites. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire la vérité aux gens que non? Nancy ne demande pas la Starmania. Nancy ne demande pas qu'on partage les vidéos. Nancy veut seulement qu'on respecte son contenu. C'est qu'elle dit. C'est qu'elle, quand elle fait la vidéo, il faut respecter. Moi, quand quelqu'un fait la vidéo, ça n'a rien. Aujourd'hui, là, c'est pas de ma soeur que je parle. Si tu as mal compris, je vais essayer de articuler et doucement. Hélène Trésor, c'est pas ma sœur que c'est pas d'elle que je parle aujourd'hui. Je réponds seulement à ça. À ça là. Regarde, toi-même, je réponds à ça. Tu vas arrêter ça. Tu commences à pleurer en plein jour, c'est à tes yeux rougissent. C'est quoi ça? T'as pas honte? Où est-ce que tu fais? T'as rigolé? Tout ça là, c'est pour faire. Hein? C'est ça que je réponds. C'est la pire. Elle va aller au salon. Je vais me lever maintenant. Ta famille. C'est dommage. Attends. Bon alors, je prends le verre. Thank you.
Christ. Oui, Doma le whisky là-bas. Donc, vous voyez que vous me dites qu'ils sont dans quel travail? Le travail où? Vous écrivez qu'ils sont au travail. Quel travail? Vous me prenez vraiment pour une idiote. Vous êtes même incapable, vous entrez dans mon direct, vous êtes incapable de me souhaiter joyeux anniversaire. Vous vous préoccupez seulement des autres personnes, n'est-ce pas? Et elle a dit que je pleure quoi? Donc, elle a pleuré quoi? Moi, je pleure que ma soeur m'a trahi. Et elle a pleuré quoi? Elle n'avait pas les yeux rouges. Moi, je me suis assis. Moi, je l'ai pris sur mes, je l'ai mis sur mes aisselles. Je l'ai d'abord protégé. Que, ouais, ma soeur pleure. Mais je n'ai pas cherché le pourquoi elle pleurait. J'ai commencé à dire que je n'ai même pas cherché si c'était vrai ou faux. Moi, je me suis mis à la défendre. Et je n'ai jamais demandé de récompense. Je n'ai jamais demandé que, oh, il faut me remercier. Je fais tout ce que je fais avec bon cœur. Je n'attends pas les remerciements de ces gens-là. Parce que parfois même quelqu'un peut venir te remercier alors que derrière, dans le cœur là, c'est seulement pour te, c'est seulement la personne en train de te minimiser. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je demande le respect. Et si je vais imposer le respect sur les réseaux sociaux, c'est moi qui vous dis ça. Parce que tant que tout le monde, j'ai dit qu'elle n'est pas la seule, hein, tout le monde qui a parlé de ce problème, sans s'en rendre compte, et prendre ma photo et mettre sur son mur. Je vous assure sur tout ce que j'ai cher. Le travail commence aujourd'hui. Le travail commence aujourd'hui. J'en ai ras de bol de comment on appelle ça? Et les gens me critiquent. Vous me critiquez que je vous dois quoi? Allez les appeler. Allez les appeler, nous sommes jeudi aujourd'hui. Allez les appeler. Que c'est ici que ça a commencé et c'est ici que ça finit. Ça a commencé dans mon direct, non? Ça a commencé sur ma page. Ce sont les femmes qui entrent dans mon direct. Hein? Vous dites que Nancy est ceci, Nancy est cela. Si c'est que ces gens-là ne prennent pas de parti pris, qu'ils entrent dans mon direct. Comme ça, je saurais que ils n'ont pas de parti pris. Que tout ce qu'ils ont dit, c'était vraiment parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Allez les appeler. Vous avez leur téléphone. Appelez-les. Même s'ils ne montrent pas leur visage. J'ai pas besoin de leur visage. Qu'ils entrent dans mon direct. Ça, c'est le jour de mon anniversaire. Qu'ils viennent me souhaiter joyeux anniversaire. Moi-même, je veux parler avec eux, non? Qui viennent me souhaiter joyeux anniversaire? Hein? Allez les appeler. Et comme ça, on veut finir le problème. Aujourd'hui, là, je vais enterrer ça là. Je veux dire que oui, j'enterre le problème et c'est fini. Allez les appeler. Vous êtes sous? Allez les appeler. Pour dire que allez calmer Nancy là-bas. Ça ne chauffe pas, hein? Moi, j'ai pas peur de quelqu'un. Comme elle a dit dans sa vidéo que si les abeilles et les TKC se réunissent et qu'ils vont combattre, vous n'avez même pas honte de dire ça. Que deux teams vont se mettre pour combattre Nancy. Eh, Ati. Womo. Allez les appeler. Ils viennent entrer. C'est ici que ça a commencé et c'est ici que ça va finir. Si c'est qu'ils n'ont pas pris de parti pris sur ce problème, qu'ils entrent dans mon direct. Et que on même si c'est pour 5 minutes chrono, qu'ils viennent dans mon direct et disent Nancy, laisse ça. Je ne connaissais pas le problème. Voilà, voilà, laisse ma soeur, laisse grande soeur, s'il te plaît, laisse. Comme ça, moi là, je prends, j'éteins. Parce que ça veut dire que quand ils vont descendre, j'éteins le problème, je ne dis plus rien. Vous voulez que ça finisse? Il n'y a pas de souci. Ça a commencé chez moi. Il faut que ça finisse sur ma page. Ou bien. Ça ne chauffe pas. Je suis une guerrière. Je suis une guerrière. C'est pas pour rien que les gens, quand on attaque compresseur, je sors. Parce qu'on sait que ma bouche là, moi je n'ai pas besoin.
d'aller prendre les photos des gens de 1900 ouais pour les insulter. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je prends ce que tu as parlé. Ce que tu as dit. Ce que tu as... Je dis que je prends ta page. Je passe sur ta page. Même si j'ai 4 téléphones, je passe sur ta page. Je m'en vais récupérer là-bas. C'est avec ça que je te fais ton... Je te fais ton... Comment on appelle ça encore? Je fais ton... Ton CV. Je n'ai pas peur. I don't cry. Nancy, I don't cry. Dig mami, I cry by confiance. I don't cry par business, par machin, par ceci. Merci, Nikki, pour les 50 étoiles. Merci, ma chérie. I don't cry. Nancy a dit cry. Oh, allez les appeler. J'attends, hein, parce que je vais aller travailler. Merci, merci, Nikki. Allez les appeler. Vous voulez partir? Attendez, je vais vous animer. Allez les appeler. C'est ici que ça a commencé, c'est ici que ça finit. Le tout, si il n'y a pas question, on va appuyer. Il faut arrêter ça. Tu commences à pleurer après, tu vois, ça tes yeux rougissent. C'est quoi ça? T'as pas honte? Où est-ce que tu fais? Tiens, rigole, cours ça là, c'est pour. Je vais me lever. C'est la pire. Je vais aller au salon. Je vais me lever maintenant. Ma famille! C'est de moi. Elle est venue pleurer. Est-ce que moi j'ai cherché où l'histoire a commencé? Non. Est-ce que moi je l'ai condamné? Non. Est-ce que moi je l'ai jugé? Non. Mais moi, j'ai commencé à défendre notre, hein, la copine. J'ai défendu jusqu'à que ma voix était partie. Yasmine, va appeler tes gens. Tu dis que c'est ici que ça a commencé et c'est ici que ça doit finir. Le respect doit s'imposer. Je vais imposer le respect sur ma personne. Quand les gens me vilipendent là-bas, là, on met mes mains, on fait ceci, on dit que, oh, elle a les gens parlent de, comme à Cameroun, Afinja Pap, dit que, non, c'est son temps. Et il m'a jamais vu, hein. Il dit, c'est son temps, hein. Elle a le gens sans a fini. Maman, vous ne me connaissez pas, ni d'Adam. Les gens qui, allez voir mes photos que j'étais à Brest. Vous m'avez vu, non? Je me suis caché. Je vous montre mon visage tous les jours. Je me cache pas. Et vous osez me juger. J'ai dit, allez appeler vos gens là. Pour venir. C'est ici que ça a commencé. C'est un dernier direct, hein. C'est le direct ci. Quand ils vont arriver là, ils vont entrer. On va finir de parler, même si c'est pour 10 minutes. On parle et puis ça finit. Mais si je finis mon direct et qu'ils ne viennent pas dans mon direct, ça veut dire qu'ils avaient appris leur parti. C'est comme ça que moi, je veux conclure. Même si c'est un seul qui entre dans mon direct, je veux comprendre que c'était un malentendu. Allez biper, c'est quel travail que vous dites qu'ils sont. Allez biper. Si je tape sur leur nom là, je vais voir qu'ils sont en ligne. Donc allez les biper, qui viennent ici. C'est ici que ça a commencé. Moi, je ne mange pas mes mots. Personne.
Oui, Niki, ici, personne ne doit marcher sur l'autre. Parce qu'on me piétine. Ma mère m'avait dit, il faut obéir. Mais quand tu obéis, j'ai obéi, on dit supprime, on dit fais ceci, j'ai dit oui, je supprime. On dit, quand tu veux faire la vidéo, il faut me passer, j'ai dit hey. Mais quand c'est que une star vient se mettre, elle ne connaît pas le problème, elle me traite que je n'ai pas honte, que je n'ai pas une famille, que je suis à conquête d'amour. Adama, quel amour entre de vous à moi qui est marié. Moi là, j'ai gratté mon gomayo hier soir propre jusqu'à ce que j'ai posé mon pied en l'air. J'ai gratté ça correctement et bien. Mon mari m'a tout m'a correctement et bien. Aïe, moi je dors pas sans mari. Oui, en plus c'était mon anniversaire. Jusqu'à 5h du matin, je n'avais pas dormi. Donc c'est pour ça que je suis contente jusqu'à. Donc ne venez pas me donner vos leçons de morale. Vos leçons de morale à garder pour vous. Parce que quand on parle de Nancy quelque part, je ne vois pas vos bouches là écrites. Lisette Akono m'a défendu. Elle m'a défendu. Elle a dit que ouais, ce n'est pas le problème. Pardon, laissez Nancy, ce n'est pas le problème. Vous ne connaissez pas, ce n'est pas le problème. Vous avez dit que oh, regarde-moi celle-là. Elle est machin ski, elle est ceci, elle est... Vous voulez que je vous mette des vidéos? Vous voulez que je vous mette des vidéos? Il dit qu'elle a appelé votre star. Il est même quelle heure? Parce que je dois passer à 13h, je passe à table avec ma famille. Oui, je passe à table avec ma famille. Et comment on appelle ça? Quand elle est venue pleurer, Niki, quand elle venait pleurer, mais ça, tout le monde s'est mis à pour, comment on appelle ça, pour la baisser, pour la consoler. Est-ce que je suis partie? Je ne connais même pas son numéro de téléphone. Je ne connais même pas. J'ai dit que je suis jamais allé ni à une bourse, ni dans le direct. Pour écrire une connerie hein, de cette sorte. Je suis jamais sorti pour dire que, oh, j'ai pris cette dame-là. Je l'ai baissée comme ma soeur. J'ai dit, hey, belle soeur, ma belle soeur chérie, pardon. Qui a touché ma belle soeur chérie? Rembourser son argent. Hein? Mais quand c'est mon tour, elle ne connaît pas le problème. Elle n'aime même pas, c'est pas sa team. Adama, pourquoi on vient m'exposer? Pourquoi on vient me traiter de tous les noms que je suis en manque d'affection? Pourquoi? Hein? Et laisser et protéger une personne. Et moi, on me met à l'avenue populaire. Parce que moi, j'ai la bouche. Hein? Les 15 minutes de folie des étonnes là. Les 15 minutes de folie, j'ai ça. J'ai ça et je porte ça bien. Quand il s'agit de Bamilekin, je suis une fille Bafan. Vous avez oublié? Bafan, Bana. Hi. Et de mère étonne de cola. Ah oui, donc imaginez un peu le mélange là. Le mélange là. Ah, vous ne voulez pas. Donc, moi là, ah, il est midi, comment dire, midi 34. Si à 13h, il n'y a personne qui atterrit sur ma page là, je veux conclure et ne m'appelez plus derrière. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce qu'on dit souvent que quand tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, viens. Tu dis à la personne que, ouais, ma soeur, je ne savais pas. Je n'avais pas su. Je ne savais pas que c'était comme ça. Pardon, ma soeur. Enterrons la large guerre. Oh oui, il n'y a plus la guerre. C'est. Mais, je ne veux pas qu'on me manque de respect. Parce que j'adore ma personne. J'adore la femme que je suis. Je me respecte aujourd'hui, demain, après-demain. Comme je vous respecte, c'est comme ça que je veux que le respect là soit en retour. Sinon, hein. Aïe! Adama. On peut faire ça. Le respect est mutuel. Le respect, et puis ça ne choque pas. Il a dit aux gens que je n'ai pas ma soeur, veux-tu que je laisse le problème? Elle ne me lâche pas. Vous voulez que je fais, ma chérie, je veux te rappeler, ma petite soeur chérie. Oui, je sais, mais je veux te rappeler, pardon. Je veux te rappeler. Je sais que oui, je ne suis plus à ce niveau-là. Je connais. Pardon. Je veux te rappeler. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Merci, ma petite soeur chérie. Pardon. Tu sais que moi, depuis l'enfance, tu me connais, non? Je n'ai jamais voulu que quelqu'un me piétine. Depuis l'âge de 10 ans, je fais mon chemin tranquille, tranquille. Mais je ne veux pas que quelqu'un me piétine. Donc, pardon, Yolande, pardon. Laisse-moi. Je finis ce que j'ai commencé. Ouais. Donc, il faut arrêter les hypocrisies.
Moi, je ne suis pas mamie hypocrite. Oui. Et puis, je suis vrai. J'ai pu encore. Tu vas arrêter ça. Tu commences à pleurer après Dieu, c'est à tes yeux rougissent. C'est quoi ça? T'as pas honte? Où ça tu fais? T'as rigolé? Où ça là, c'est pour faire? Personne ne s'attendait à ça, que Nancy va couper les vidéos. Non, non, non. Personne ne s'attendait. Et toi qui dis que il y a une là qui est venue vociférer, qui dit que Fleur, que elle ne viendra jamais sur mon direct. Il faut souvent arrêter. Maman, qu'elle ne vient pas, tu crois que ça va changer quoi dans ma vie? Hein? Ça va changer quoi dans ma vie? Hein? J'ai dit. Qu'est-ce que ça veut changer dans ma vie? Ça ne va rien changer. Mais c'est que je dis. Hein, tu fais pitié. Vraiment, tu compares quoi à quoi? Ah oui, tu dis que je compare quoi? Toi qui viens parler là. Moi, je compare parce qu'elle a dit que. Hein, que je viens pleurer quoi? Elle est venue pleurer quoi, maman? Jusqu'à demander le whisky. Elle est venue pleurer quoi? Hein? Vous avez la mémoire courte. Elle là. Elle, quand elle venait pleurer, c'était pourquoi? Tu peux m'expliquer? Hein? Elle pleurait son argent. D'accord. Mais moi, je pleurais la confiance que j'ai mis sur les mains de ma copine. Et sur les mains de ma soeur. Et dans son direct, si c'était vraiment une femme de valeur, elle allait dire que, Nancy, je ne sais pas pourquoi tu pleures. Ah, mais s'il te plaît, ce n'est pas bien de venir pleurer en direct. Oui. Même s'il y a quel problème, même s'il y a quel problème, elle allait demander à sa copine. Aïe. Elle allait demander à sa copine de, comment on appelle ça? De, ma batterie, vous me lâchez. Oui. Attends, ma batterie, vous me lâchez. Hein, elle allait dire à sa copine que voilà, j'ai vu, comment dire, j'ai vu ta fille, j'ai vu ta fille qui nous est soutenue en pleurant, pardon, va arranger ce problème. Elle allait dire ça. Mais elle a osé prendre son téléphone et me traiter que je cherche l'amour, que je cherche l'amour et que je cherche l'affection. Maman, j'ai une famille bien remplie. Je ne cherche ni l'amour, ni la compassion de quelqu'un, ni ça n'a rien à y voir avec les partages, ça n'a rien à y voir avec que la Starmania. Non. Je vous ai dit, c'est parce que on vient me donner, ma soeur vient me donner comment on appelle ça? Vient me commander dans mes directs. Elle trouve que je fais un direct, elle me dit de supprimer. Elle dit que je fais un autre direct, elle dit quand je fais le direct, il faut que je lui demande l'autorisation. Voilà le problème. Donc dites-moi où il y a un problème de compréhension dedans. Parce que tout simplement, parce que c'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, c'est la quatrième fois. Mais vous étiez là dans mes directs à chaque fois. Je peux vous citer. Donc, vous venez dire que
Je ne peux pas laisser. Alors, on dit souvent chez nous que je vais poser la question que si toi, tu ne comprends rien, il n'y a pas de problème. Si je comprends rien, pourquoi tu es dans mon direct? Si toi, qui dis que elle pleurait son argent, si toi, on te fait ce qu'elle m'a fait, qu'est-ce que tu allais faire à ma place? Hein? Tu allais faire quoi à ma place? Que tu fais en direct? Quelqu'un vient te commander, ce n'est même pas l'administrateur de ta page. Quelqu'un vient te dire, supprime le direct, tu supprimes. La personne vient encore une autre fois, supprime le direct, tu supprimes. La personne revient encore, te parler devant les gens en te disant que, oh, à chaque fois que tu veux faire le direct, il faut que tu me demandes l'autorisation. Tu vas le faire alors que la personne ne te paye pas la connexion, alors que la personne ne fait rien sur ta page. Hein? Donc, quand vous venez me dire que Nancy, tu ne comprends rien, il faut d'abord vous dire que est-ce que moi, vous mérez qu'on vous fait ce qu'on m'a fait. Hein? Quand vous allez trouver la solution, comme ça, vous allez comprendre. Et aujourd'hui, ce n'est pas à la copine, ce n'est pas à votre patron de venir résoudre ce problème. Ce problème, c'était une autre personne qui devait le résoudre. Parce que de un, ni ma soeur n'est pas juste dans sa team, ni moi, on n'est pas dans sa team. Donc, ce n'était pas à elle de venir parler de ce problème. Et quand on parle même d'un problème, et quand on dit qu'on veut donner les conseils à quelqu'un, on ne dit pas à la personne que tu viens pleurer jusqu'à que tes yeux rougissent. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On donne les conseils en préservant un machin et puis on ne compare pas la personne que tu parles aux enfants. Je peux pas dire même que les enfants, quand tu as écarté ton gomayor et que tu as accouché, tu n'es plus enfant. Donc, elle n'a pas le droit de me comparer avec les gens. Tu comprends? Voilà où je sors. Alors, moi, je viens poser la question que elle pleure quoi? Vous acceptez qu'elle vous supprime? Elle dit quoi? Pourquoi tu as accepté? Tu supprimes au début. Maintenant, tu viens dire, tu viens. Ouais, vraiment de Dieu. Et Ninon, tu n'as jamais donné le respect à quelqu'un. Hein? Choco, tu n'as jamais donné le respect à quelqu'un. Pourquoi vous êtes ingrate? Pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose, vous êtes incapable de dire à la personne que non, ma soeur, tu as faux cop. Vous préférez que la personne vienne vous raconter les bobards pour vous dire que non, c'est à cause des étoiles. C'est à cause de sa milliardaire. C'est à cause. Qu'est-ce que ça y voit dedans? Hein? C'est parce qu'elle ne veut pas comprendre. Parce qu'elle veut montrer aux gens que elle m'a dit de supprimer les vidéos. Et là, maintenant, elle veut montrer aux gens qu'elle me commande. Arrêtez un peu. Et quand, celle-ci fait la vidéo, à me traitant que je suis à la conquête d'amour, je demande qu'on partage mes vidéos. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Si ma sœur honnête, j'avais ya dit que au début j'avais dit que j'avais refusé de lui donner mes photos pour les perruques pour qu'elle partage. J'avais refusé parce que je ne voulais pas me sentir redevable. Je ne voulais pas que demain après demain on me dit que c'est parce qu'on n'a pas partagé mes vidéos. J'avais refusé 3 fois. J'ai refusé. Donc, quand celle-ci vient poser sa caméra et dit que, comment on appelle ça? Oh, je pleure jusqu'à que mes yeux rougissent. Il faut lui demander que, moi, Nancy, je l'ai soutenue. Je ne savais même pas si le problème d'argent était vrai ou si le problème était faux. Mais je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Tu quoi? Après que tu as lu le commentaire,
Je comprends pourquoi on a eu mal à... De te... Hey, ne m'appelez pas sur ce téléphone. Hein? Je ne suis pas quoi? Qu'est-ce qu'elle écrit? Merde, quand je veux lire, ça file. Ça, je voulais lire ce commentaire-là. Je voulais lire le commentaire, mais ça a défilé jusqu'à. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ah oui. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera une autre. Et vous allez moutonnier. Ça veut dire que tout ce que les gens parlent, vous suivez. Vous suivez comme si... Comment on appelle ça? Comme vous ne réfléchissez pas. Vous courez seulement. Certains, mais je pense que Nancy voudrait... Ah merde. Ah la vache, quand j'ai envie de lire un commentaire, ça part. Comment on appelle Bernard? Tu crois que j'ai peur? Tu crois vraiment que Nancy a peur? Hein? Je parle que des faits. Tu comprends? Je parle que des faits. Je ne parle pas vos conneries là. Je ne l'ai pas insulté. J'ai seulement demandé la question. Posé la question qu'elle ait pleuré quoi? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est vous les bipolaires, hein? C'est vous qui ne comprenez même pas ce que je veux pas la dire. Hein? C'est vous qui ne comprenez pas ce que je veux pas la dire. Hein? Tu me dis que les abeilles ne vont pas me laisser. J'ai un problème avec eux. Hein? J'ai un problème avec eux. Regardez-moi cela. Je n'ai pas un problème avec eux. Je viens seulement éclaircir une situation dont moi je considère que... Je considère que, comment on appelle ça? Que elle n'a pas compris le pourquoi. Attendez, je me connais. Voilà. Elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à comprendre ce que je voulais dire. Tu comprends? Elle n'arrive pas à comprendre. Donc, si toi, tu ne comprends pas non plus, vraiment, je peux rien pour vous. Moi, et papa, quand quelque chose, hein, se passe sur les réseaux sociaux, quand quelque chose se passe sur les réseaux sociaux, je viens, je parle. Hora. Je viens, je parle et ça ne chauffe pas. Moi, je ne suis pas comme vous. Ou vous suivez les gens comme les tapettes. Que quand on dit que fais ceci, tu fais. Bonjour, ma chérie. Allô? 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 Mmh. Allô? Alors, si tu ne réponds pas, je vais te faire descendre. Allô? Allô? Bon. Moi, je suis venu vous éclaircir que ça vous brûle, que ça vous fait quoi. J'ai dit que je veux le respect. Le respect là est mutuel. Le respect là est dans nos gènes. Comme vous voulez que les gens vous respectent. C'est comme ça que moi,
Je veux aussi que les gens me respectent. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Nancy, laisse le clash avec. Je ne clash pas. Francis, Vrela, je ne clash pas. Voilà ce que je viens seulement dire. Regarde, c'est ça. Dis-moi, arrêtez ça. Tu commences à pleurer en train de dire que tes yeux rougissent. C'est quoi ça? T'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles? Tout ça là, c'est pour faire. C'est la thème. Elle va aller au salon. Elle va aller au salon. Oui, bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça va bien, c'est pas anniversaire aujourd'hui, non? Oui, c'est l'anniversaire aujourd'hui, ma chérie. Joyeux anniversaire, Tata Nancy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tata Nancy. Joyeux anniversaire. Tata Nancy, aujourd'hui, on ne fait pas les paroles. Aujourd'hui, c'est la fête. Oui. Laisse la fête de bas. Foule à côté. Aujourd'hui, on va célébrer ta fête. Donc, on ne parle plus de ça. Enlève-nous le direct. Là, nous, on veut fêter la fête. Hein? C'est ton anniversaire aujourd'hui, Tata Nancy. J'ai dit. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? On a compris. Oui, Tata Nancy, mais laisse là-bas. Sinon, les autres dans les commentaires vont encore te chauffer. Laisse. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ouvre-nous la bouteille, on va boire. J'ai dit. Dieu bénisse abondamment. J'ai dit, je fête l'anniversaire avec vous, non? Hein? Oui. Est-ce que vous m'avez montré que vous fêtez pas des étoiles, pas des rien? Moi, je ne demande pas. Ah, je viens voyez, seulement donner l'heure juste. Je viens donner l'heure juste. Hey, c'est qui même? Oh, je viens donner. Je viens dire papa, que. Papa, amener les choses de polo sang ici. Allez, c'est pour ça que je vous ai envoyé. J'ai failli couper ma langue. Ah, tu vois, non? J'ai failli couper ma langue. Je vais te dire. Oui, je voulais seulement. Écoute-moi. Écoute-moi. Je voulais seulement dire que si on croit que je veux changer de camp, vous avez menti. Vous avez encore. On n'aura pas de camp. Vous avez encore le chemin. Et Francis, machin, arrête d'écrire que c'est le problème de compréhension. Tu as compris? Mais c'est ta... J'ai promis de ne pas. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Souhaitez seulement joyeux anniversaire à Tata Nancy. Les messages que vous devez envoyer, c'est joyeux anniversaire à Tata Nancy. Et même s'il ne souhaite pas joyeux anniversaire, moi là, regarde, ma petite soeur m'écrit. Bonjour, ma grande soeur. Joyeux anniversaire à toi. Dieu t'a béni. Abondamment. Bisous. Je t'aime très fort. Ça, c'est ma dernière petite soeur qui m'envoie. Est-ce que ça ne choque pas? Bon sang de bon mère. Vous croyez que j'ai besoin de ça? Je veux le respect. Le respect aujourd'hui, le respect demain, le respect demain. Laisse là-bas, on te respecte déjà, Tata. Non, si tu es notre Tata, nous t'aimons aussi. Aujourd'hui, le respect demain. Bonheur. J'ai dit, pourquoi quand on était là-bas, on était en train de me déchirer, en train de me rabaisser? Vous là, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. Pourquoi on a demandé d'arrêter. On a juste demandé d'arrêter, c'est tout. Pour nous, c'est déjà fini. Pour nous, c'est déjà fini. On a juste demandé d'arrêter. Même les vidéos que tu sors, ça n'a même plus de ça. Laisse ça comme ça. On ne va pas rentrer pour se justifier encore. Nous, on veut juste faire la fête. Aujourd'hui, c'est ta fête. Il faut que tout le monde te souhaite joyeux anniversaire, comme Tata Prestige, la classe, l'a fait tout à l'heure. Tu n'as même pas lu le bon message de Tata Prestige. Elle t'a souhaité santé, longévité. Écoute-moi, Tata Prestige, la classe, elle est partie sur le direct
de compression. Elle est partie dire là-bas que arrêtez Nancy, ne sabotez pas le direct de Nancy. Hein? Il y a elle, il y a, comment on appelle ça, Lisette Akono, elle s'appelle qui? Carole. Les gens qui me défendaient dans ce direct-là, qui disaient que non, ce n'est pas le vrai problème. Les gens disaient qu'elle cherchait l'amour, elle cherchait la Starmania, elle cherchait si, maman, la Starmania ne me paie pas les factures. Oh, laissez-moi. La Starmania ne me paie pas les factures. Ce que je veux qu'on respecte, qu'on ne vienne pas me dicter ce qu'elle doit faire. Parce que je ne suis pas un enfant. Vous tous là, vous êtes l'éternel 40 ans. Mon Nancy fait aujourd'hui, c'est 50 ans. 50 balais. Tu rigoles. Mais 50 balais. Et ça ne choque pas. Donc, c'est elle qui est partie dire, comment dit Tata Percy la classe. Je l'ai vu. J'étais en pleine voiture. Si j'étais là, tata, j'allais dire. Tu as vu les étoiles là. Tu as vu les 500 étoiles de Tata là. Tu as vu ça, Tata Nancy? Merci, maman Percy la classe. C'est ça. Ça défile. C'est elle, ça. Non, elle a dit que maman Percy la classe a dit qu'elle m'envoyait 1000 étoiles. Tata Nancy, donc tu es la petite soeur de Bolosangui en âge. 50 ans. Parce que quand oui. On voit Bolosangui avec son visage, il n'est pas ma soeur à 65 ans. Bolosangui, oui, c'est ta mère. Allô? Oui, bonjour, ta mère. Hé, hey, le frère de qui m'aime? Le frère de qui m'aime? Merci, du camer. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci, je te respecte aujourd'hui. Nancy. J'étais toujours respectée, maman. J'ai vu ta vidéo. Nancy? Oui, oui. Je dis, attends, je vais te dire que tous les abeilles qui sont là se retrouvent sur la page de Erza. Tu as toujours lancé les piques à ma faute. Je vais t'affronter. Je vais te montrer alors aujourd'hui. C'est toi qui avais défendu la dernière fois. Tu cherches les problèmes, hein? Perroquet! Je ne sais pas, perroquet! Je t'ai parlé, c'est moi qui t'avais défendu la dernière fois. Aujourd'hui, tu viens de saler une dingue avec quoi? Nous, on est tellement faux, on ne sait pas. C'est qui? C'est qui? Je suis la marque de ça. Tu connais laver, non? On y va. Non, ma foi, je t'ai dit. On est dans la foule. On est dans la foule. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tata. J'ai toujours une magie. Parlons-en. Tu crois que tous les temps que tu lances les pics que je ne vois pas, c'est une des raisons que je ne viens pas. Tu as toujours lancé les pics à cette femme. Je suis toi, je viens te parler. Tu viens, tu veux m'ouvrir ta large bouche. Qui sent la merde. Tu baisses vos bras, ça c'est la coupe pour tes côtés du blanc. On n'accepte pas, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, on respecte ça. Arrêtez au bout d'un moment, souvent. Après, c'est comme ça, même info dans tout et n'importe quoi. Hein? Après, c'est pour retomber encore. Parce que là, elle partait déjà dans la lignée pour vouloir mal parler la mafo. Mais maintenant, là, toi, si tu reviens, quand tu mets le sel, c'est pour qu'elle argumente, pour qu'elle se fâche. Pas arrêter ça au bout d'un moment, c'est pas gentil. Tata Nancy, oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La personne, la classe est dans la salle. Voilà, elle a... Pardon, j'ai la toux, je ne devais même pas entrer dans le direct. Je vous ai dit depuis l'autre jour que j'ai la toux. Oui, franchement, s'il te plaît, si tu aimes vraiment, c'est que l'amour est d'abord personnel. Oui. Si tu aimes vraiment ta vie, ce que tu as, ça c'est que c'est le premier jour de ton anniversaire. Ne fais pas que ton année continue avec les palabres. S'il te plaît, si tu peux m'écouter une minute. Même s'il y a eu quoi, mets ça derrière. Parce que le nouveau jour de ton anniversaire, c'est joie, santé. Même s'il y a eu quoi, tu mets ça derrière. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour appeler les gens à venir te dire n'importe quoi. Regarde l'exemple, celle que tu viens de descendre là. Maman, fais ton anniversaire. Ceux qui peuvent te souhaiter joyeux anniversaire, te donner des étoiles. Et te donne tout ce que tu es en train de revenir sur ça là, ça ne sert à rien. Il y a toujours eu des clashs, il y aura toujours des clashs. Maman, je t'ai dit. Maman, précise la clash. Je ne suis pas pour les clashs, hein, ma soeur. Moi, non, je ne suis pas la plus jeune. Je te dis que c'est ton jour de l'anniversaire. Ne parle pas de ce côté-là. Voilà. Si tu peux te souhaiter joyeux anniversaire, te souhaite joyeux anniversaire. Ne reviens pas qu'il y avait, je vais expliquer. N'explique rien. Tout ce qui s'est déjà dit, c'est dit. Celui qui ne veut pas comprendre ne comprend pas. S'il te plaît, ne donne pas l'occasion aux gens de venir t'insulter. Ouais. Ne donne pas l'occasion aux gens de venir t'insulter. Ce n'est pas bien.
C'est pas tout le monde qui fait. Non, 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 c'est notre soeur à vie, c'est notre tata à vie, toi aussi tu es notre tata à vie. C'est fini. Tu te laves, tu te fais plaisir. Si tu vas aller au restaurant, tu passes, tu veux boire ton vin, tu bois. Tu viens expliquer quoi le jour de ton anniversaire. Ah ben non, hein. Franchement, ce que je te dis là, ne crois pas que nous sommes sur la toile, on aime tout le monde. Vous êtes toutes nos soeurs. À un moment donné, quand il y a un problème, on dit que lève l'équivoque, lève aussi. Tous ceux qui viennent dire que non, elle a un droit de réponse. Les gens là, ne t'aiment pas. Je suis désolée. Aucun droit de réponse ici aujourd'hui. Les gens, aucun droit de réponse. Ne t'aiment pas. Voilà Claudia qui est entrée dans le direct, non? Est-ce qu'elle ne te supporte pas? Mais écoute-nous quand même. Mais quand il y a un problème, passe aussi de ce moment. Oh là là, les étoiles pour Tata Nancy encore aujourd'hui. Oh là là. En tout cas, joyeux anniversaire, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, santé. Merci, maman. Merci, la classe. Et que beaucoup de choses, que tes portes de commerce soient ouvertes. Bienvenue dans le monde commercial. Moi, je fais le commerce depuis ma jeunesse, donc c'est un terrain glissant. Sache qu'il y aura des gens qui viendront même critiquer tes produits. Merci. Il y a des gens qui vont manger tes produits. Il y aura des gens qui, à partir de certains lives, vont t'aimer. D'autres peuvent être même tes représentants. Donc, ce que je peux te dire est que, s'il te plaît, calme-toi. Il y a toujours des moments de turbulence. Quelqu'un peut même te parler mal aujourd'hui et s'assoit et voit que j'avais parlé mal à Nancy et revient vers toi. Mais quand tu tirailles trop, ça peut faire que la personne croit qu'avant, il y avait des problèmes. Le conseil que je peux te donner, ma chérie, laisse tomber tout ce qui s'est passé là. Tu observes. Ce que je veux comprendre, on a dit que tu ne partages pas les lives. Tu ne fais pas ceci. On apprend tous les jours. Peut-être que tu ne partageais pas parce que tu ne voulais pas aller sur d'autres pages de peur de dire. Écoute-moi bien, Nancy, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Toi, tu as 51, je suis à 52. Ça veut dire que je suis ta grande sœur. Vous êtes les petits de Borosangi. Le conseil. Ouais, laisse aussi le nom de Borosangi, non, ma chérie. Borosangi, tu vas faire va encore venir clasher Nancy. Pourtant, on parle des vraies choses. J'attends, je les attends, maman, Percy, la grâce. Faut pas te Je voulais dire, par exemple, que nous tous, nous toutes, on apprend tous les jours. Yes, Sonia, merci pour les étoiles, ma chérie. L'isolation, c'est quoi? Il peut arriver des moments de la vie que tu te sens coloreux, tu te sens, tu veux répondre à tout, mais. Je vais te dire la meilleure stratégie de la vie. Allô, non, oui. Bonjour, maman Priscille, la classe parle. Bonjour. Okay. On n'aboie pas à tout vent, ma chérie. Quand tu as un problème comme ça, pour rien qui s'est passé, que tout le monde, c'est pas tout le monde, il y a des gens qui viennent sur la toile pour t'aider. On te dit que laisse prendre du recul. Écoute plutôt le fond de ce qu'on t'a dit. Ne vois pas l'ensemble. Parce que dans un récit, il y a toujours le condensé. Moi, quand j'entre dans un direct, tout ce qu'on crie là, je veux savoir le but du sujet. Ça ne m'intéresse pas, je sors. Ça m'intéresse, je peux entrer et donner un avis. Je peux entrer. Même mon mari Wanda se moque, celle-ci me donne pas. Parce que moi, je n'aime pas où il y a la discorde. Je n'aime pas où il y a le mal. Parce que j'ai des enfants et je veux qu'ils grandissent dans des bonnes conditions. Et quand tu es un exemple, l'exemple vaut mieux que la leçon. Tu ne peux pas en train de prôner la haine et tu veux la réussite de tes enfants. Je suis désolée. Donc, je voulais te dire, ma chérie, je t'ai observé à Facebook. Peut-être que tu as des difficultés pour te faire comprendre par certaines personnes. Mais en fond, tu n'es pas une mauvaise personne. Non. Et ne laisse pas l'air du mal emporter sur toi parce que la qualification que les gens peuvent te donner dans les clashs peut être différente de ce que tu es. Alors, quand quelque chose se passe et que les gens, certaines personnes que tu respectes, disent laisse. Maman, il faut laisser. Parce que le jour de l'anniversaire, c'est le jour du sang de Jésus. C'est une nouvelle gloire. Il y a des gens de ton âge qui sont en hôpital, qui sont paralysés, qui ne peuvent même pas s'offrir à une bouteille de vin. Alors, quand tu peux te dire comme ça, ma chérie, ne mélange pas le passé. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé, pardon, ne viens pas noircir le jour de ton anniversaire. Mais tu laisses. Tu t'assois, mais moi, à la façon de voir, il n'y a même pas un problème en tant que tel. Le condensé, c'est quoi? Que tu ne partages pas d'autres directs. Je vais te donner aussi raison à ce niveau pour moi, parce que moi, c'est difficile que je partage d'autres directs, parce que c'est dit que tu peux partager, on dit que tu as en connivence avec la personne. Parce que c'est ce qui est puissant. Mais ce que je te dis,
que tu peux partager. C'est les grands, on apprend même des classes, on apprend même dans les classes. Merci pour les étoiles, on ne fait qu'envoyer. Merci, merci. C'est que tu peux profiter de ça. Tu regardes les directs qui sont peut-être de commerce ou un institut. Tu partages sur ta page. On passe à autre chose. Parce que voilà, c'est ça qu'on te passe aussi. Quand tu laves mon dos, je lave le tien. Ne prends pas ça. Maman, si la classe, oui. Comme je t'ai expliqué, mais les gens ne me comprennent pas. J'avais expliqué que ce n'est pas question de partage. Ça n'a rien à y voir. C'est non, question de dictature. Ça pas donné, non. Essaye de faire ça. C'est question de dictature. Et tu passes à autre le respect. Chose. Il n'y a pas, chose, il n'y a pas, il n'y a rien à ça. C'est question que, voilà, les gens veulent me dicter. Quelqu'un qui me dit il faut On devait déjà laisser le côté là, non? Il y a Belle aussi. Il y a Belle qui veut parler. C'est ça que les... Allez-y. C'est Belle aussi. Allez-y. Joyeux anniversaire. Merci, merci, maman. Merci, la classe. J'ai compris. Allô? Merci. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Nancy, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Écoute ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Nancy, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ok? Oui. La seule chose que moi, je peux te dire, c'est que si tu veux que... un message, il passe bien. Il faut que tu parles calmement. Il faut que tu sois douce, Nancy. Il faut que tu sois douce. Quand tu hurles, en fait, les gens, en fait, ils croient que tu es là. On clash, on clash. Je suis à la TKC depuis... depuis le début des problèmes avec les abeilles. Oui. Angemel est mon ancien compte. Oui. Okay? Je sais, c'est pour ça que tu es reconnu. Plusieurs fois, Nancy, je suis venue dans tes directs, plusieurs fois. Je t'ai parlé doucement, mais tu m'as insulté, tu m'as bloqué, tu as fait plein de choses. Je veux voilà. Juste. Voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que, comme Pressor, ce n'est pas un enfant, c'est une grande dame, c'est une maman, elle sait ce qu'elle fait. Vous toutes là, vous croyez qu'elle est bête, elle n'est pas bête. Elle discute souvent avec Flore, et comme il y a certaines sujet qu'elle ne peut pas exactement venir aborder, elle demande à Flore que bon, écoute, toi, ma copine, vas-y. Ok? Donc, si tu vois Flore qui sort sur un sujet, ça veut dire qu'elle a eu à en parler avec sa copine. Donc, faut si, être... attends, si je comprends bien, si je comprends bien, pardon, ça veut dire que son compresseur qui a parlé avec Flore, Nancy, écoute ce que je suis en train de te dire. Ton âge là, il faut que tu parles moins avec les émotions, ok? Il faut que quand tu vois quelque chose qui se passe, tu t'arrêtes, tu souffles, tu laisses 2 jours. Et surtout, je te donne un conseil, arrête de discuter avec les faux profils.
je te le dis. Les gens qui viennent te dire des choses, je sais qui c'est Nancy, et ce sont les mêmes gens qui viennent me dire exactement la même chose. Ce sont les mêmes gens qui sont venus me dire que compresseur comme ça, machin, fleur, machin, et je m'en fous puisque moi je prends du recul. Compresseur n'est pas fleur, et fleur n'est pas compresseur. Et à ton âge, chérie, il faut que tu prennes les choses avec du recul et de la sagesse. D'accord? Ne viens plus que... Tu vois un truc. Il y a eu ça hier. Il y a eu un direct. No way. Non, non, non. Prends du recul. Tu te calmes, Loulou. Tu te calmes. Tu respires. Tous les faux profils qui viennent te parler, c'est des faux profils qui ne veulent pas que compresseur soit bien, en fait. Donc, il faut que tu fasses attention à toi. Tu as un mari, tu as des enfants, tu as un boulot, ma chérie. Les lives, ce n'est rien. Ta vie est le plus important, ok? C'est ça le plus important. Il faut que tu laisses les gens tranquille. Laisse-les là-bas. Ils se chamaillent. Il y a tel qui a dit, tu t'en fous. Calme-toi. Tu as ta petite vie, ma belle. Hein, ok? Ton mari, tes enfants, ton boulot, ton business, le reste, tu t'en fous. Et quand tu te prends la tête avec une fille qui est plus jeune que toi, qui a l'âge de ta fille, ça ne sert à rien, ma belle. À rien du tout. À rien. Ok, ma chérie, tu es une femme avec un grand cœur. Avec un grand cœur. Tu as beaucoup de douceur dans les yeux, Nancy. Tu as beaucoup de tendresse. Alors, il faut que tu montres aux gens que il n'y a pas que le non, on règle certains problèmes dans la douceur, d'accord? Tranquille, ok ma chérie? Oui, ok. Tu as fini? Tranquille. Oui. Tu as fini? Oui. C'est que je vais te répondre à Mathieu. Prends mon téléphone là-bas, tu as même. C'est que je vais te dire, ma chérie. Tu vois, j'ai eu le même problème que tu as là. Et ce que moi, je m'aimerais que... je ne parle pas... Déjà, je ne parle pas avec les faux profils. Merci. Je ne parle pas avec les faux profils. De un. De deux, si je suis sorti, c'est pour répondre parce que j'ai trouvé que dans le direct que la copine a fait, il y avait trop de mensonges dedans. Et c'est parce que dans le direct de compresseur où elle a intervenu, elle a parlé autrement. Et je suis sûr que Maman Percy la classe est derrière tout ça. Parce que je crois que Maman Percy la classe est partie lui dire que non, ce n'est pas la vraie version. Mais ce qu'elle n'a pas fait. Je vous laisse. Hein. Bonne journée. J'ai compris. Oui, merci. Vas-y, dis. Ce que je vais te dire, c'est que. Aujourd'hui, j'ai encore mal dans mes cordes vocales. C'est pour ça que tu entends ma voix. Comment dire, ma voix est comme ça. Et je ne parle pas de faux profils. Personne ne m'envoie. Tu comprends? J'aime pas. Je suis seulement le genre de personne que j'aime pas qu'on ment sur mon nom. Ça veut dire que si quelqu'un ne connaît pas l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce que je parlais dans le direct, qui sont venus derrière et que je les ai expliqués doucement. Et de là, comment dire, ces gens-là, ils ont compris que voilà, j'avais raison. Tout simplement parce que ça n'a rien à y voir, ni avec compresseur, ni avec sa copine. Voilà. Je le sais. Voilà. Et donc, quand ça n'a rien à y voir, sa copine n'avait pas le droit de sortir, de me répréhender. Quand tu veux conseiller deux personnes, il faut mettre les deux personnes dans le même panneau et les conseiller.
Ou au cas contraire, tu dis à ta copine que voilà, c'est ta team. Va, il y a un qui est trop fâché, il faut. J'ai fait les vidéos ici que ma soeur m'a demandé de supprimer. Pas une fois, j'ai accepté. Deux fois, j'ai pris sur moi. Trois fois, j'ai pris sur moi. Quatrième fois, je n'en pouvais plus. J'ai essayé de résoudre en inbox. Elle, devant les gens, elle est venue toujours montrer que il faut qu'elle montre aux gens qu'elle me commande. Mon professeur m'a parlé hier. J'ai dit que je laissais de son côté. Je ne parlais même plus de son côté. Mais c'est que je voulais comprendre parce que quand quelqu'un, tu fais la vidéo, tu dis que je viens, elle dit que je viens pleurer et que mes yeux rougissent. Je voulais seulement éclaircir que, ouais, petite soeur, si tant toi tu pleurais, est-ce que moi, je n'ai même pas su que, je n'ai même pas cherché à connaître le vrai problème. Moi, je n'étais pas mis à l'avenue populaire. Moi, j'étais pris d'abord, j'étais quand même d'abord défendu avant que la vérité, je n'ai même pas demandé jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle a eu son argent ou pas. Mais c'est ça qui m'a blessé. C'est ça qui m'a blessé quand elle me dit que je demande l'amour, je demande le partage et qu'on n'est pas obligé de partager alors que ça n'a rien à y voir avec le partage, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, ça n'a rien à y voir avec le partage. Tout simplement, je veux que quand je fais mes vidéos, qu'on ne vienne pas me dicter ce qu'il doit faire. Si quelqu'un veut me conseiller, vous, mon numéro sur cette page, il y a un numéro là-dedans où j'ai mis que si quelqu'un veut me parler, la personne vient me parler. D'accord. La personne vient me dire. Mais je constate que les gens ne... Comment on appelle ça? Les gens ne veulent pas... les gens ne comprennent pas ma... Les gens me condamnent, mais les gens ne comprennent pas ce que je veux exprimer. Pourquoi je sors? Je ne sors pas parce que je veux la clasher. Non, je ne la clash pas. Mais je la pose la même question qu'elle m'a posée dans sa vidéo, que pourquoi je viens pleurer? Est-ce que compresseur est de ma famille? Est-ce pourquoi je viens, on dirait que compresseur m'a tapé, alors que ça n'a rien à y voir avec compresseur. J'ai parlé avec compresseur hier. Elle-même, c'est maintenant qu'elle a compris la vraie version. Elle-même n'était pas au courant. Mais quand on reproche à quelqu'un quelque chose, essayez de comprendre aussi l'autre côté. Essayez de... On comprend très bien, ma chérie. Mais on comprend très bien. Ne dites pas que... comment on appelle ça? Moi, je suis... Vous savez, il y a aussi les gens sur les réseaux sociaux qui ne répondent pas. Tic ou tac. Qu'ils attendent un jour, deux jours. J'ai essayé d'analyser le direct. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui l'a fait sortir. Pourquoi? Et puis, quand on dit que je lance les pics à Flor. Si je rencontre Flor, je veux la saluer. Flor est ma belle-sœur. Donc, je ne la clash pas. Je la fais seulement rafraîchir la mémoire. Que quand il y a un problème entre deux personnes, ne condamnez pas d'abord une personne. Essayez de comprendre les deux parties. Parce que dans toute la toile, si tu parles dans tous les directs, là, tu vas voir que moi, on m'a appuyé. Les gens me disent que j'ai un problème de compréhension. J'ai un problème. C'est maman précise qui vient dire que Nancy a eu du mal à parler étant toute petite. Donc, elle, ça a laissé les séquelles. Donc, ne confondez pas quand elle parle. C'est qu'elle force sur sa gorge. C'est maman précise la classe qui vient l'indiquer alors qu'elle ne me connaît pas. Oui. Et alors qu'elle ne me connaît pas. Et puis, j'ai un tempérament bien trempé, ma chérie. Avant moi. J'ai un tempérament bien trempé. Il n'y a personne qui a un tempérament comme moi. Je suis une fille basse à 100%. Et si je veux m'énerver, je m'énerve. Mais je me suis rendu compte avec l'âge. Avec l'âge que Nancy, on ne résout pas tous les problèmes en faisant non. Et il y a aussi des abeilles qui sont contre la paix de compresseur et de Flore qui vont venir te prendre la tête, qui vont aller prendre la tête à Ndolo. Non, ma chérie, je te marque sur tout ce que j'ai le plus cher. Je ne réponds pas aux gens. Je peux te dire que quand quelqu'un m'appelle, mon mari, quand je dis à mon mari, quand quelqu'un m'appelle, je mets sur haut-parleur pour que mon mari puisse entendre, parce que mon mari me dit que tu ne dois pas répondre on a dit, réponds quand c'est toi-même que tu vois que tu peux répondre. Est-ce que tu sais le problème qu'il y a entre
toi et Ndolo, c'est que vous avez le même caractère. That's the problem. Vous avez le même caractère. Il mais faut ma chérie, mais ma chérie, entre moi et elle, quand elle fait les vidéos, moi je l'ai toujours défendue. Tu sais pourquoi les abeilles me détestent? Parce que le jour que je vais prononcer le nom, le jour que Flore est partie parler sur son direct, c'est moi je suis venue faire le direct sur ma part pour défendre Ndolo Moulema. Tu vois non? Et au lieu que Ndolo Moulema s'arrange de mon côté. Hein? Elle a pris le pour côté de Flore et elle a dit que je dois supprimer le direct. Pour Nancy, ce que j'avais avec ma soeur, pour est-ce que je peux te dire tout le monde, elle me dicte ce qu'elle doit faire. C'est ce que Nancy, je ne veux pas. Oui. Nancy, elle est, je crois qu'elle a, elle doit avoir l'âge de ta fille, ok? Elle a l'âge de ta fille. Nancy, excuse-moi. Tu me dis que Ndolo Moulema a ma fille à quel âge? Ma fille a 24 ans. Donc, elle a 24 ans? Non. En fait, je pense qu'elle a la trentaine, à peu près. OK? Et ce que je tiens à te dire, que c'est qu'en fait, elle a une pression énorme, Nancy. Elle gère la page de compresseur. Écoute bien. Elle gère et les publicités et les machins. Et elle gère aussi la page de TKC Mélodie. Imagine un peu le stress qu'elle peut avoir sur les deux pages. Hein? Mais je ne l'ai jamais demandé qu'elle me fasse quoi ce soir. Non, tu ne comprends pas, Doudou. Oui, je comprends. Attends, je comprends. Et le problème, c'est que quand ma soeur, c'est ma soeur, hein, c'est ma soeur, j'ai fini à le côté là, c'est ma soeur, mais je veux qu'elle comprenne qu'elle puisse saisir que quand on est entre nous, si elle veut me donner faire les reproches, pas en public, vous comprenez, pas en public. Il y a les gens, je peux te dire qu'il y a les gens là qui viennent me faire le remontant de trans à Nimbos, je ne dis rien, je ferme la bouche, je les laisse parler, après je réfléchis, je dis que lui, ils ont raison. Oui. Mais reprocher, comme tu dis qu'elle peut avoir l'âge de ma fille, reprocher sa maman devant tout le monde, c'est pas bien. Elle chauffe trop, en fait. En fait, c'est que il faut que tu lui laisses aussi le temps de d'apprendre à se calmer. Ok, Nancy, c'est toi la plus âgée. Ah. Ok, ma chérie. Oui, mais elle doit le respecter. Oui, mais elle doit le respecter. Ah oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, ma chérie, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vienne dire que j'ai encore fait le direct pour elle. Pas du tout. Non. Il ne fait pas son direct. Et moi, maman, quand la classe m'a parlé, j'ai compris. Donc, même mon mari me dit déjà d'éteindre mon téléphone. Donc, je moi, vous aime. Voilà. Je vous aime. Et toi, et Flore, et Compresseur, je vous aime toutes. Donc, c'est juste qu'en fait, des fois, quand les gens, ils sont énervés, ils ont un stress énorme, ils ne savent pas en fait comment. Je comprends maintenant. Tu vois? Elle-même a expliqué qu'il y a des fois où elle dort à 4 heures du matin, vu qu'elle a telle page à gérer, il faut qu'elle fasse ci. Imagine un peu tout le stress qu'elle a, Nancy. Je sais, écoute-moi, je te demande des excuses à sa place. Laisse tomber, ma chérie. Hein? Nancy, c'est... Ma chérie, je n'ai plus rien. Laisse tomber, ok? Et puis, je n'ai plus rien. Pardon. J'ai dit que, écoutez-moi, apprenez à me connaître. Pardon. Apprenez à me connaître. Pardon, si je vous en supplie. Je te connais, moi. Je te connais, moi. Donc, OK. On a l'impression que tu as mis dans la bouche quand tu parles. Toi, tu parles clairement, je te comprends, les personnes ne te comprennent pas. Mais bien sûr que je la comprends, monsieur. Mais en fait. Mais là, ça m'énerve. Je veux pas que mon mari se mêle parce que là il est au salon et quand je faisais mon direct il était à la cuisine, maintenant il est au salon, je veux pas. Donc moi je veux conclure mon direct, ma soeur. Voilà,
Donc, au moins aujourd'hui, c'était pas le direct de Ndolo Moulema. Et là, j'ai répondu au direct de qu'on a fait pour moi. Et moi, ça s'arrête là. Voilà. Je ne reviens plus dessus. Quand, moi, j'ai dit maintenant que quand quelqu'un me provoque, quelqu'un, je viens, je réponds. Je viens donner mon droit de réponse. Et une fois que je réponds, je quitte sur ça. Je ne reviens plus. Donc maintenant, on va aller chez une autre personne. Je finis de fêter mon anniversaire. Après, ça serait une autre personne. Tout le monde doit bouffer le njangui que vous me dites que je dois bouffer là. Aujourd'hui, là, je ne parle plus de, comment dire, de ce que j'ai parlé là. Je ne parle plus de personne. Je veux traverser de l'autre côté. Voilà. Je ne parle plus ni la copine, ni de ma soeur. Je ne parle plus d'eux. Maintenant, comme je vous dis, que si je vois seulement une mauvaise commentaire me concernant quelque part, franchement, je prends le nom de la personne, je mets sur les réseaux sociaux, je décortique. Je ne suis pas l'esclave de qui ce soit. Voilà. On dit que je suis âgé. Certes, moi j'assume mon âge. Et je veux aussi que les gens me respectent. C'est aussi simple que ça. Comme les gens ne veulent pas accepter leurs erreurs, moi j'accepte mes erreurs. Je parle fort, je force sur ma gorge. On dit que j'ai les problèmes de compréhension. Je m'en bats les bires. Mais ce que je veux, respectez-moi. Tout le monde qui n'a pas mon âge, respectez-moi. Voilà. Et je ne parle même plus de vos gens. C'était seulement une mise au point. Que quand on dit aux gens, que tu es âgé, il faut respecter les gens qui ont déjà 50 ans. Quoi? À 50 ans, c'est pas. Aïe, aïe. Bah, elle me met trop de têtes de mort. Bon, comme je suis en direct, je vais te bloquer, ma belle. Ma belle, je vais te bloquer. Moi, je ne cherche pas la Starmania. Merci, Ninon. Toi qui me mets les têtes de mort là, je vais te bloquer. Je ne cherche pas la Starmania. Parce que la Starmania là, il faut venir faire les directs tous les jours. Il faut faire les directs. Comme j'ai fait là aujourd'hui, je m'en vais dormir. Je m'en vais dans mes occupations. Je n'ai pas la force de me taper 3 directs, 4 directs, 5 directs par jour. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas le temps. Mon planning est chargé. Je n'ai pas le temps. Comme j'ai parlé là, terminé, fini. Je tourne la page. Je vais traverser de l'autre côté. Tout le monde qui a parlé de mon histoire avec ma soeur va passer sur le tamis, va bouffer le njangui. Je vous préviens. Donc, apprêtez-vous. J'arrive. Donc, sur ce, très bonne journée. Et j'ai dit que les cardiaques, il faut attraper votre cœur. Moi, je viens, je dis ce que j'ai à dire. Je n'ai pas la haine contre personne. Je ne déteste personne. Regarde, le gens dit, joyeux anniversaire encore, profite de ta famille. Il y a quelqu'un qui passe autant à mettre les têtes de mort sur tous les commentaires comme ce joyeux anniversaire. Homo, pourquoi faire ça? C'est elle là. Voilà, je t'ai cherché depuis, ma chérie. Je t'ai cherché depuis. Oh, c'est Yann. Je t'ai cherché depuis. Hein? C'est obligé. Obligé de faire quoi? Hein? Je t'ai cherché depuis. Toi. Je t'ai cherché depuis. Tu passes autant à mettre les têtes de mort sur mes directs. T'as vu? Tu sais, quand je suis en direct, je ne peux pas bloquer et j'ai laissé l'ordinateur là-bas. Donc, sur ce, très bonne journée et joyeux anniversaire à moi-même, Nancy. Ça ne chauffe pas. Ah oui, un verre de whisky à mon chéri, maman. Hey, maman, oh. Vous êtes beaucoup, hein? Vous êtes beaucoup, donc il faut que je m'en vais vous bloquer. Comme ça, même Carole. Carole, toi aussi. Maman. Carole, même toi aussi, tu me mets les têtes de mort. Hein? Louise. Tu me mets les têtes de mort. Carole, tu me mets les têtes de mort. Adama. Ne dites pas que Nancy nous est bloquée. Ok, moi, je bloque et je cherche pas la Starmania. C'est les abeilles de fleurs. Ouais.
Donc, elle me mentait qu'elle m'aimait. Et elle me met les têtes de mort. Mmh. Ah non, il faut qu'elle enlève les têtes de mort. Quand on fait un direct, c'est pas normal. Parce que quand tu mets les directs, c'est mieux de mettre... parce que quand je m'en vais pour... elle met la tête de mort, je supprime les gens. Il faut que... Parce que quand je m'en vais chercher qui me met les têtes de mort... On a appelé une chargée, ma chérie. C'est elle qui s'affiche. Donc, il ne faut pas que ça... Je n'aimerais pas me taper tout le boulot. Oui. Je mets... Ah oui, même Lucie me dit que je mets sur les mauvais commentaires. Regarde bien. Ok, Lucie, j'ai compris. Oui, merci, mon cœur. Allez, je vais vous laisser. J'ai des choses à faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci à tout le monde qui m'a soutenu. Merci à tout le monde qui a partagé la vidéo. Merci à ceux qui sont avec moi. Merci à ceux qui m'ont compris. Voilà, je ne suis pas folle, mes gens. Je ne suis pas folle. Je suis seulement une femme qui n'aime pas, qui n'aime pas qu'on la piétine. Le mensonge. Et j'aime pas le mensonge. J'aime pas ça. Et moi, je ne suis pas, les gens qui veulent insulter, aller prendre la vie des gens qui est passée de 1900 ouais pour venir pour m'accrocher à ça. Non. Moi, quand j'ai à dire, je prends où tu as parlé de moi, je viens, je décortique comme je fais tout à l'heure et je quitte dessus. Vous voyez, non? C'est comme ça et ça ne veut pas changer. C'est pas l'âge. Et ce n'est pas que l'âge. Tout le monde qui est sur les réseaux sociaux là, si on regarde leur vrai âge là, je suis sûr même qu'il y a des gens qui me dépassent en âge. Mais bref, j'assume mon âge. Mais je ne suis pas encore passé ni dans le billard, ni nulle part. Donc, ça veut dire que Dieu m'a béni abondamment. Donc, respectez mon âge. Donc, sur ce, très bonne journée, très bon jeudi et joyeux anniversaire à Nancy. Mettez-moi les cœurs et je vais couper, je coupe le direct. Hein? Vous ne voulez pas me mettre les cœurs? On coupe le direct avec les étoiles, avec les cœurs. Hein? Même les étoiles, vous ne voulez pas envoyer. Vous êtes là, vous me regardez. Hein? Je croyais que quand vous souhaitez joyeux anniversaire, vous bombardez les étoiles. Ho ha! Hein? Il reste 700 étoiles pour atteindre 1000 étoiles. Comme ça, j'éteins le direct. Envoie les étoiles. Mon mari fait aussi. Le Congo, ça. Sandra, laisse mon mari tranquille. Mon mari ne fait pas le Congo, ça. Ça m'énerve. C'est parce que ça l'énerve. Et parce que je peux le dire. Non, c'est pas ça. C'est que moi, quand on t'attaque, ça m'énerve, c'est tout. Et tu sais que quand un homme assume sa femme, là. Quand un homme assume sa femme, oh, ah, elle ne se cache pas. Oh, Mel. Bon, merci, Mel. Envoie les étoiles. Il restait 600 étoiles. 600 étoiles. J'éteins le téléphone. On arrondit. Il restait 600 étoiles. Envoyez-moi 600 étoiles et pas. Hein? C'est pour souhaiter joyeux anniversaire à votre grand-mère. À la vieille des vieilles. Hein? Mettez-moi 600 étoiles, je pars. Vous avez chassé ma milliardaire. Donc, aujourd'hui, regardez, je fais le direct. Ma milliardaire était là. Elle allait là, elle me bombarder. Au moins 1500 étoiles. Ma milliardaire n'est pas là. On l'a chassée. Donc, envoyez-moi. Tu vois, moi aussi, je demande, non? Envoyez-moi 600 étoiles. Comme ça va faire 1000 étoiles. Je pars. Mon mari a préparé, maman. C'est bon, oh. Sandra, encourage les gens à m'envoyer les étoiles. Laisse-moi le langage, là. Ouais, ma soeur, dis que c'est l'anniversaire de Nancy. Envoyez-la les étoiles. 1000 étoiles. Oh, maman, l'endroit de ça, oh. L'endroit de ça, aujourd'hui, demain, oh, ma milliardaire, j'ai cru qu'on t'a chassé. Maman, ma milliardaire, ce n'est pas encore le chiffre rond. Il manque 50 étoiles.
Sandra, toi, tu vas monter quoi là? Envoie-moi 50 étoiles. Ma milliardaire a envoyé. Hey, j'ai cru qu'on a chassé ma milliardaire. J'ai su ma bouche. Oh, maman Sarah. Ah, bravo! Bravo, Mel. Bravo. Là, maintenant, là, j'obéis. Hein? Pour que tout le monde comprenne. Voilà. Merci, merci, merci. Oui, voilà ma milliardaire. Ma milliardaire de ça. Hey. Ma milliardaire de ça. Aujourd'hui, demain. Maman, je signe sur ça. Nganga. Hey, happy birthday to you, Nancy. Happy birthday to you, Nancy. La vieille des vieilles. Arrondissez. Hey. Qui te peut défier, maman? Mel. Mel a envoyé 150 étoiles. Où est Christian de Monaco? Il m'a laissé tomber ou quoi? Taguez-moi Christian de Monaco qu'il y a une commandeuse des étoiles là-bas. Hein? Taguez-moi. Où est Mélissa? Ma Mélissa est où? Sinon, Mélissa. Sinon, on va faire comme joyeuse, on va les insulter propres. Mélissa, mais ma Mélissa où? Ma chérie Mélissa, ma duchesse Mélissa, ma princesse, mes princesses, la, celle qui me met toujours en haut, elle est où? Je commande les étoiles. Le tout aussi. Ça laisse quelqu'un, maman. Du coup, les soucis, ça va être bon. Je laisse les étoiles. Envoyez encore 50 étoiles, non? Maman, les gens disent que la vieille, la pardon pas. Envoyez-moi 50 étoiles et pas. Je demande de tout si. Comment je peux faire un direct comme ça? Je n'ai même pas 500 étoiles. Même pas 300 étoiles. Adama. Un direct comme ça qu'on parle de personnalités. Vous ne m'envoyez même pas les étoiles. Si on peut enregistrer ça. On va rafraîchir les mémoires. Aïe, 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 maman, mon inbox se veut tuer. C'est pour lutter contre les Alzheimer. C'est pour lutter contre les Alzheimer. Vous avez que les étoiles que vous me donnez là. Wambo! Ma duchesse, 5000 étoiles, ma duchesse là-dessus. Wambo! Maman, I love you. I love you. Fine, fine, ma big. Ma big à moi, maman. Ma big, 1000 étoiles, elle a bombardé. Nikki a donné 54 étoiles. Adama, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Hein? Ça! Regardez, la duchesse. Hé, hey, Mélissa, ouais, quand Mélissa était là, elle bombardait encore. Bing! Mélissa, hein? Tu es où, ma princesse? Taguez-moi, Mélissa, que la commandeuse des étoiles est là. Maman, on va me tuer pour ça. Hé, hey, merci, ma duchesse. Hé, hey, aïe, 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 aïe. C'est l'anniversaire, bombardé. Faites quelque chose. Le compteur s'est allumé le tout-ci. Niki ne fait que bombarder. Niki ne fait que bombarder. Bombarder les étoiles. Oui, ma chérie. Bombarder les étoiles. L'anniversaire. Oui, mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, ma puce. Bon, il va peut-être falloir faire quelque chose parce qu'au niveau timing, ça va être serré. Ah, t'inquiète, on s'en bat le bine. Laisse. Laisse tomber. Vous, tu es là. Ma bique, ma princesse, ma duchesse est là. Je vous aide, vous me supportez. Vous m'aimez le vrai amour, ma chérie. Laisse-les. Laisse. C'est pas. Laisse mon cœur. Oui, j'ai tout à l'heure. Ouais.
D'accord, t'inquiète. T'inquiète, je suis solide. Merci pour le soutien. Merci, merci beaucoup. Merci, mon cœur. Ouais. Ouais. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai aucun doute dessus. Oui, je sais. Pourquoi tu te justifies? Je sais, mon cœur. Je sais. Et ma princesse est toujours avec toi. Elle voit aussi. T'inquiète. Oh. Bisous. Ouais. Je veux la dire. Ouais. Bye. Merci. 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 Oh, ma petite soeur chérie Hélène. Ma soeur de moi. Voilà. Regardez ma petite soeur. Celle qui me suit derrière. Là, voilà. Là, voilà qui me souhaite. Là, voilà qui me souhaite joyeux anniversaire. Vous, c'est que l'amour que je cherche. Regardez, voilà ma petite soeur. Celle qui me suit derrière. Hein? Oui. Elle est dans mon direct. Mes petites soeurs ne sont pas. Mais elles se connectaient rien que pour me souhaiter joyeux anniversaire. Ouais. C'est que l'amour. Hey, 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 hey. Je fais chant. Elle est malade. C'est que l'amour, ça. Merci. Merci, ma petite soeur chérie. Merci. Merci, ma petite soeur à moi. Ça, c'est celle qui me suit derrière. Vous voyez, derrière, Dieu me bénit tous les jours. Ma petite soeur, le sang de sang, ce n'est pas le jar qu'on a mélangé là. Ça, c'est ma petite soeur. Aïe, vous voyez, elles ne sont pas dans les réseaux sociaux. Hein. Donc, là, elle est entrée parce que, oh, maman, l'amour de ça. Pardon, laissez, je ne cherche pas l'amour. J'ai l'amour jusqu'à, mon mari me donne l'amour, mes soeurs me donnent l'amour, mes petites soeurs me donnent, mes petits-enfants, depuis le matin. Par contre, lui vient que la prochaine fois qu'on se voit, je veux le même plat qu'elle m'a préparé la dernière fois. Hey, ton beau frère dit que, ton mari dit que le plat que tu lui as préparé au Cameroun là, il faut que tu lui prépares ça la prochaine fois. Donc, j'ai transmis le message. Hein? Merci. Bon, je vais vous laisser. Comme vous ne voulez pas me donner les étoiles, Niki ne fait que donner 50, 50, 50. Ma présence l'a donné. Hein? Bande de radar. Je croyais que j'allais partir d'ici même avec 5000 étoiles. Maman. Le jour de l'anniversaire de quelqu'un. Hein? Ma duchesse. La femme, va me déchirer le carreau. Comment puis-je pas t'aimer, mon cœur? Comment je ne puisse pas t'aimer? Comment je ne puisse pas t'aimer? Une duchesse. Une femme de valeur. La classe de classe. Je vois pourquoi Amère Kamère s'accroche. Et je vois pourquoi Amère Kamère s'accroche. Il me manque. Là, je vous dis la vérité. Là, il manque 320 étoiles pour que j'atteigne un chiffre que je veux. Envoyez-moi 320 étoiles. Ça fait un chiffre tout rond. Hein? Envoyez-moi 320 étoiles. Je veux fermer le téléphone. Adama. Maman Sarah. On part. Hein? Vous ne voulez pas m'envoyer 300 étoiles? Je veux un chiffre rond. Un chiffre rond comme ça là. Hein? 320 étoiles. Et ça comble le chiffre. Et puis on part. On quitte ça. Ouais, Mélissa. Eh, Adama. Comment elle peut pleurer, Mélissa, comme ça là? Eh, Adama. Comment je peux pleurer, ma petite duchesse Mélissa? Comment je peux pleurer? Hein? Christian de Monaco est où? Maman, on va venir me soulever ici. On va venir me porter. Hey, bon, je m'en vais. Comme vous ne voulez pas me donner, moi, je ne veux pas rester là. Je pars, moi. Je pars dans mes occupations. Allez. Je vais pas me taper le boulot tout seul. Non, mon mari, depuis le matin, il faut que bosser. Donc, très très bonne journée à vous tous et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie tous de votre soutien d'abord, de énergie, de tout le monde qui s'est connecté sur ma page. Je suis sincère et pour ceux qui partagent et pour ceux qui viennent commenter et je me remercie particulièrement aux gens sincères avec moi. Aux gens qui ne sont pas là avec deux cœurs. Merci beaucoup. Et je remercie toujours à ma duchesse. Edith d'Edith. Edith, la princesse des princesses. La nombre. La. Les édicaires. Hein? Après toi, là. Hey!
Adama, s'il parle, on va encore venir me crucifier. La nombre, la femme capable, la princesse de princesse, la duchesse, ou celle qui a où il faut, là il faut. Oui, femme d'affaires de ton état, comme c'est sorti là, que ça entre propre, que ça pas encore bien fortifié, que ça pas encore bien, hein, que ton porte-monnaie ne reste jamais vide. Nikki, toi aussi, que ton porte-monnaie ne reste jamais vide, ma chérie. Hein? Donc, merci. Merci à tout le monde qui m'a donné les étoiles. Merci à tout le monde qui m'a encouragé. Merci à Jasmine. Merci à ma copine chérie. Oui, c'est ma copine. Elle m'a jamais laissé tomber, toujours avec moi, baga baga. Qu'elle soit d'accord avec moi ou pas. Elle est avec moi. Débatté, j'ai signé avec les Bassa. Je les ai dans ma peau. Donc, sur ce, bonne journée à vous. On se donne rendez-vous samedi. Samedi. Donc, quand je vais allumer mon téléphone, c'est pour voir comment je coupe mon gâteau en live. C'est de ça qui est ça. Il y aura des surprises. Et je crois que, tiens, il y a quelle surprise encore? Bah, tu vois? Adama, ne manque pas ça, oh. J'apprends qu'il y aurait des surprises. Peut-être qu'on va encore me diminuer mon âge. Ouais. Oui. Je te ferai une opération chirurgie esthétique. N'est-ce pas? Ah non, 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 j'ai encore les nichons. Faut laisser. Pour pas être plus jeune. Donc, sur ce, bonne journée. Merci, ma princesse. Merci, ma duchesse. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Sur ce, comme vous avez refusé d'envoyer 320 étoiles, c'est pas grave. Vous ne voulez pas que j'ai un chiffre rond. Pour mon anniversaire, je ne peux même pas atteindre, même pas 600 étoiles. Même pas 700. Pour une fois. Vous faites souvent ça comment? Aïe. Donc, je m'en vais me reposer. Je m'en vais. J'ai du travail, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vous dis à samedi, je ne sors plus d'ici là. Voilà. Donc, ciao, ciao. Big up à tout le monde. Ma soeur m'appelle déjà. Du coup, je vais cuire, je sais pour rien. Oui, allez. Bisous.